Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour cette audition publique consacrée à la nouvelle organisation du contrôle et de la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection. Je tiens à remercier et à saluer tous les acteurs de la sûreté nucléaire qui ont répondu, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs par le passé, à l'invitation de notre office, malgré le délai très court imposé par l'agenda parlementaire. Comme vous le savez, le 3 février dernier, le Conseil politique nucléaire a passé en revue les enjeux du nucléaire civil et militaire. 5 jours plus tard, le ministère de la Transition énergétique a annoncé une réforme très conséquente pour l'organisation de la sûreté nucléaire. Ce sujet qui nous réunit aujourd'hui pourrait en effet arriver très prochainement sur la table de travail de l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de l'accélération du nucléaire qui débutera en commission en début mars prochain, le 1er mars prochain de mémoire. Depuis le début des années 90, l'Office a toujours accordé une attention particulière aux conditions de contrôle de sûreté nucléaire dans notre pays, une question à laquelle il a consacré en 30 ans plus d'une vingtaine de rapports. L'Office a ainsi contribué directement ou indirectement à la longue marche vers l'indépendance et la transparence du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de radioprotection. C'est d'ailleurs le titre du rapport que l'un de mes illustres prédécesseurs à la tête de l'Office, le député Jean-Yves Le Déau, a remis en 1998 au Premier ministre, un rapport qui préfigurait l'organisation actuelle du contrôle. Je rappelle que cette audition publique est diffusée en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande sur les portails de nos deux chambres. Le public et la presse peuvent poser des questions au travers de la plateforme accessible, au travers du lien fourni sur le site internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le lien fonctionne très bien puisque nous avons déjà reçu plus d'une centaine de questions. Voilà ce qui montre, je le sais, l'importance du sujet et la preuve aussi de la présence de nombreux collègues parlementaires ce matin ici à l'Office en est une preuve vivante. Bien, je cède la parole au premier vice-président Gérard Longuet qui souhaite également introduire nos débats. Oui, merci Monsieur le Président, merci Pierre. Non, je voulais simplement saluer avec beaucoup d'estime l'ensemble des interlocuteurs venus pour cette audition publique de l'Office parlementaire sur un sujet qui est profondément le nôtre. Je prendrai à témoin mon prédécesseur éminent Claude Biraud pour rappeler que si l'Office existe, c'est bien parce que dans les années 83, je crois exactement, le gouvernement a suggéré au Parlement un projet de loi qui a permis d'instaurer cet organisme assez original, puisque c'est avec le sujet du renseignement la seule commission permanente qui associe députés et sénateurs, et ça marche plutôt pas trop mal. Il est évident que l'énergie atomique est un problème mondial, mais il est en l'occurrence pour nous un problème français, que l'autorité intellectuelle et l'indépendance des organismes de contrôle, de sécurité, est absolument indispensable. C'est une condition du succès du nucléaire. C'est une condition d'ailleurs qui, dans notre pays, a été jusqu'à présent plutôt réunie d'une façon satisfaisante, même si les exigences de l'opinion, les exigences du système médiatique sont de plus en plus fortes aujourd'hui. Mais pour ma part, je ne m'en plaindrai pas, car ayant une confiance un petit peu naïve dans l'univers scientifique, je pense qu'il a tout à gagner à la transparence et à l'expression de ses contraintes, de ses difficultés,
dans un climat où chacun peut s'informer. Donc, alors le gouvernement nous propose de propose au Parlement de réorganiser. Nous avons le rôle tout simplement d'éclairer à travers cette audition nos collègues députés et sénateurs de ce que pensent les experts, les gens les plus compétents, les plus engagés de cette organisation française de l'autorité de sûreté et de la recherche en matière de sécurité. Donc vous êtes là pour parler et donc nous sommes là surtout pour vous écouter et retranscrire le plus fidèlement possible vos conclusions, nos conclusions faites et nourries de vos interventions auprès de nos collègues parlementaires qui auront, si j'ai bien compris, en effet, Pierre, l'occasion assez rapidement de trancher le débat, je ne sais pas, mais en tous les cas, de l'ouvrir et de prendre des positions selon les procédures qui font la joie de la vie parlementaire, c'est d'ailleurs la confrontation, l'explication, l'opposition, le cas échéant, et naturellement la synthèse sur ce sujet qui est passionnant et pour lequel la sûreté est un préalable absolu. Bien, merci Gérard. Je vais maintenant passer la parole à Bernard de Rozuc, président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est accompagné par Olivier Gupta, son directeur général, afin d'ouvrir les débats pour une dizaine de minutes environ, pour qu'on puisse tenir les délais de l'ensemble des intervenants. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à mesdames et messieurs les parlementaires de nous accueillir aujourd'hui pour ce sujet tout à fait crucial que vous avez évoqué. J'aurai un propos liminaire extrêmement court. Je voudrais essentiellement resituer, d'une certaine manière, la période dans laquelle nous sommes, dans une vision un peu historique, correspondant à ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années en matière de renforcement de l'infrastructure française d'expertise, de contrôle et de recherche liée au nucléaire. Alors pourquoi je le fais ? Parce qu'il y a exactement 50 ans qu'a été décidée la création du premier service de l'État chargé d'exercer des missions de contrôle du nucléaire. Jusqu'à 1973, le contrôle était intégré à l'intérieur du CEA et c'est à l'occasion de la décision Premier ministre Messmer de lancer finalement un nouveau programme, un programme électronucléaire basé sur la conception des réacteurs à eau sous pression américaine, qui a été décidé de créer un service de l'État. Ce service de l'État était de taille relativement modeste et il s'appuyait sur une expertise qui était à l'intérieur du CEA. Expertise bien évidemment distincte de la responsabilité d'exploitant du CEA. Donc ça, c'est l'acte fondateur, il y a exactement 50 ans, et on voit que l'acte fondateur lié à la création d'une entité de contrôle et ensuite de son renforcement a été, dans notre histoire, lié à des décisions importantes, fortes, en matière de programme électronucléaire. Je n'en doute pas. Au fil du temps, je me disais, tiens, je me vois avec une écharpe, excusez-moi. Au fil du temps, bien évidemment, les équipes à la fois de contrôle, d'expertise se sont renforcées parce que le programme électronucléaire s'est développé et il y a eu un certain nombre d'événements, des événements parfois dramatiques, l'accident de Tchernobyl, de Fukushima. Et dans le domaine de la radioprotection, il y a aussi eu des événements d'Épinal qui ont conduit à ce que les équipes à la fois chargées du contrôle de la sûreté de la radioprotection, de l'expertise en matière de sûreté et radioprotection, de recherche en matière de sûreté et de radioprotection, se sont consolidées pour faire face aux événements. Et puis, il y a eu effectivement le besoin de structuration de cet ensemble qui s'est affirmé et notamment au début des années 2000 a été décidé de créer l'IRSN en externalisant d'une certaine manière l'IPSN qui était à l'intérieur du CEA et en le fusionnant avec l'OPRI pour créer l'IRSN. Et puis, ensuite, il y a eu un deuxième moment très important lié encore là à une annonce ambitieuse en matière de développement nucléaire, qui est l'annonce faite par le président Jacques Chirac à l'occasion de ses vœux en 2006, où il a annoncé en même temps le lancement du programme EPR et la création de l'ASN en tant qu'autorité
administrative indépendante. Donc on voit bien, là encore, un moment important de l'histoire où le renforcement du contrôle et indépendant de la sûreté a été associé à une décision prise par le gouvernement et le Parlement de développement d'un programme électronucléaire. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes un peu dans la même circonstance. Il y a une impulsion nouvelle qui est en cours de débat, qui reste encore, bien sûr, à valider, à être votée par le Parlement, suite aux différentes consultations, débats qui sont organisés. Et c'est à ce moment-là qu'il est aussi souhaité par le gouvernement, annoncé suite au CPN, comme vous l'a rappelé en introduction, de franchir une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape consiste à consolider l'ensemble du dispositif, à la fois d'expertise, de contrôle et de recherche, et dans le cadre d'une ligne directrice qui a été définie par le CPN et qui nous convient maintenant de débattre, bien évidemment, dès lors que le Parlement votera les amendements qui sont nécessaires pour le réaliser. Voilà, donc je voulais simplement, en propos introductif, dire qu'on est dans une perspective un peu historique. À chaque fois qu'il y a des grands moments, il y a une décision d'impulsion sur le renforcement du contrôle, de l'expertise, de la recherche et le renforcement de l'indépendance. Ça a été fait en 2006 avec la création de l'ASN. Et là, c'est un nouveau modèle qui pourrait se mettre en place, qui est nouveau pour nous, mais qui n'est pas nouveau dans le monde du nucléaire. Ce qui est proposé existe dans de nombreux pays à l'étranger, et c'est ce que nous souhaitons faire en France. Voilà. Très bien, merci. De toute façon, il y aura certainement beaucoup de questions à la fois des parlementaires et des auditeurs, donc nous aurons l'occasion de rentrer dans un certain nombre de détails par la suite. Je laisse maintenant la parole à François Jacques, qui est administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, également pour une dizaine de minutes environ. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce sera beaucoup, beaucoup plus bref que cela. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui, très honoré de parler le deuxième, même si je pense que j'aurais pu venir plus tard dans l'ordre, étant pas forcément celui qui a le plus de choses et les choses les plus importantes à dire. Le CEA est évidemment concerné à double titre. Hein, il est concerné parce qu'il opère un centre de recherche dans le domaine du nucléaire, et il est concerné probablement historiquement pour les raisons qu'indiquait le président de l'autorité de sûreté nucléaire, qu'il a autrefois compté en son sein un institut qui s'appelait l'IPSN et qui a été sorti du CEA. Voilà. Bon. Ayant dit cela, je pense qu'au principal, le sujet de la sûreté, de son organisation, est un sujet sur lequel je m'interdirais par principe d'avoir des positions, c'est-à-dire que je considère qu'étant un assujetti au contrôle, je n'ai pas à m'exprimer sur la manière dont je suis contrôlé. Ça me semble un problème de conflit d'intérêts assez évident. Donc la seule chose que je puisse dire par rapport à ça et sur notre implication dans cette affaire, c'est qu'évidemment, la sûreté, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de la connaissance qui est acquise. Ça vient des éléments de recherche qui permettent de fonder les évaluations, de fonder les interrogations. Et là-dessus, le rôle du CEA, c'est bien, avec tous les acteurs, dans une dynamique qui est européenne, dans une dynamique qui est internationale, dans une dynamique qui est celle de la communauté scientifique, c'est-à-dire d'acquisition de connaissances libres, évaluées par les pairs, confrontées à la critique pour les rendre les plus solides possibles, le CEA, il lui revient de mener ces recherches-là. Il est bien l'organisme dédié à cela en France. Je pense qu'il l'a fait, et il l'a fait avec efficacité, et d'autant plus avec efficacité que c'est justement cette reconnaissance par les pairs, cette reconnaissance internationale du niveau et de la qualité de ce qu'on fait, je crois, est là et attestée. Mais c'est à nouveau, c'est pas à moi de le dire, c'est probablement aux évaluateurs internationaux qui le font de le dire. Donc, dans cette logique-là, qui est celle d'une évolution souhaitée par le gouvernement, comme le rappelait le président de l'autorité de sûreté, du contrôle de la sûreté, il y a évidemment l'articulation à avoir entre la sûreté, la recherche, la manière dont la recherche peut contribuer à la sûreté. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'évidemment, nous sommes tout à fait... plus que volontaire, c'est-à-dire que il nous semble absolument indispensable que la part de la recherche soit prise là-dedans, et le CEA est tout prêt à y jouer son rôle dans ce qui sera considéré par l'ensemble des parties prenantes et par l'ensemble des acteurs comme l'intérêt général. Voilà. Et c'est vraiment dans cette posture-là que moi je voudrais me placer. Nous sommes un établissement public, nous portons cette dimension de recherche, nous portons cette dimension d'acquisition de connaissances, et nous souhaitons être contributifs à ce que le système soit organisé de la meilleure manière possible. Ayant dit ça, je pense que je m'en tiendrai là pour ce liminaire.
Très bien, merci à vous, monsieur l'administrateur général. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Christophe Niel, qui est directeur général de l'IRSN et qui est accompagné également de Catherine Hervieux, qui est directrice générale adjointe chargée du pôle de sûreté nucléaire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est toujours un honneur d'être auditionné par votre office. Alors l'IRSN, c'est l'expert public du risque radiologique et nucléaire. Et les 1700 salariés de l'Institut, que je tiens à saluer, couvrent un large champ de compétences croisées. Compétences que l'IRSN mobilise pour bien assurer ses missions, ses activités de recherche, de surveillance, d'expertise, y compris en situation d'urgence. L'IRSN traite de l'ensemble des usages des rayonnements ionisants, des procédés industriels à leurs applications médicales, jusqu'aux effets de la radioactivité naturelle dans l'environnement ou sur la santé. Depuis 20 ans, l'IRSN remplit ses missions. Son travail est rigoureux, complet et intègre. Son organisation actuelle permet de mobiliser les compétences de l'Institut à tout moment pour toutes ses missions. L'IRSN fait appel aux compétences de ses experts et de ses chercheurs en continu, car l'expertise et la recherche sont imbriquées et portées dans certains domaines par les mêmes personnes. La force de l'IRSN, c'est la complémentarité de tous les champs couverts. La qualité de son travail est reconnue. D'ailleurs, je comprends que la décision qui est prise aujourd'hui n'est pas une critique du travail de l'IRSN. L'appui technique à l'autorité de sûreté nucléaire représente aujourd'hui 25% de notre activité. L'IRSN met son expertise au service de nombreuses autorités opérateurs, Direction générale de la santé, Direction générale du travail, ministère des Affaires étrangères, notamment en ce moment avec la guerre en Ukraine, ministère de la transition énergétique, et je pourrais en citer d'autres. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire évoluer le contrôle de la sûreté nucléaire et mon intervention s'inscrit complètement dans cette logique. Mon propos s'articule autour de trois points clés. La séparation entre l'expert et le décideur, l'indispensable combinaison entre expertise et recherche, les enjeux de maintien des compétences pour répondre aux rendez-vous industriels qui viennent. Je pense utile de rappeler les fondements de l'organisation actuelle de la sûreté nucléaire en France. L'accident de Tchernobyl en 1986 a conduit à des réflexions sur les facteurs organisationnels, les processus décisionnels et sur l'importance des arbitrages entre les préoccupations de sûreté et les autres préoccupations. Les réflexions issues des grandes crises sanitaires, politiques, médiatiques des années 90, sans contaminer, crise de la vache folle, ont progressivement amené à modifier le système français de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ces évolutions ont abouti à la création de l'IRSN en 2002 et de l'ASN en 2006. Au cours des années, cette organisation a été très légitimement re-questionnée plusieurs fois. Son efficacité a été confirmée. Le principe de séparation des fonctions d'évaluation et de gestion du risque est également au cœur du dispositif sanitaire. Ainsi, il me paraît incontournable, dans le nouveau système à venir, de maintenir une distinction très claire entre expertise et décision, y compris dans une même organisation, à l'instar, par exemple, de ce qui peut se faire aux États-Unis. La NRC, l'autorité de sûreté américaine, a ainsi des règles très strictes qui régissent les échanges entre le personnel chargé des expertises et les commissaires chargés de la prise de décision. De même, le principe de publication des avis techniques inscrit dans la loi aujourd'hui, support à la décision, devrait également être maintenu pour assurer la transparence du système, pour la bonne information du public et, in fine,
pour contribuer à la confiance dans le système de contrôle. J'en viens à mon deuxième point, l'indispensable combinaison. À la création de l'IRSN, il a été fait le choix de rassembler expertise et recherche. Les compétences techniques de l'IRSN reposent sur d'importants programmes de recherche avec les industriels français et les partenaires européens et internationaux. Les recherches expérimentales permettent de développer des codes de calcul indispensables à l'expertise, tout comme en situation de crise. Dans son rapport provisoire d'évaluation de l'IRSN que je viens de recevoir, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qualifie le modèle expertise-recherche de l'IRSN de, je cite, « performant et de structurant pour les grands programmes et réseaux européens ». Les avis de l'IRSN expriment un état des connaissances à l'état de l'art. L'engagement de nouveaux programmes de recherche anticipe des problématiques nouvelles. La séparation des activités expertise-recherche sera complexe, car ces activités sont parfois exercées par les mêmes personnes. Dans un schéma où expertise et recherche ne seraient plus dans une même entité, il conviendra de permettre à la partie chargée de l'expertise de disposer du budget affecté à la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection et de pouvoir être ordonnateur des programmes de recherche. J'en termine, Monsieur le Président, par les enjeux de maintien des compétences. Je vais y être extrêmement vigilant. En réponse aux enjeux climatiques, énergétiques et de souveraineté, la relance du nucléaire a été engagée. De nombreux dossiers d'expertise sont en cours. À titre d'exemple, la prolongation des réacteurs du parc en exploitation au-delà de 40 ans, l'examen de la demande d'autorisation de création du stockage souterrain CIGEO à venir, le dossier d'autorisation de création de l'EPR2, si le programme est effectivement engagé, cela entraîne une charge d'expertise très importante. L'IRSN s'y prépare depuis plusieurs années. Il a organisé son travail avec l'ASN pour rendre des avis dans les délais compatibles avec les échéances de prise de décision. L'IRSN a déjà montré sa capacité à anticiper, à être réactif. C'est le cas pour les évaluations de sûreté mises en œuvre après l'accident de Fukushima. C'est aussi le cas pour la prolongation de l'exploitation des réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans, et pour laquelle nous avons rendu un avis de synthèse en mars 2020, en plein confinement. Au-delà de la sûreté nucléaire, dans le domaine de la santé, l'évaluation des technologies utilisant des rayonnements ionisants pour le diagnostic et la thérapeutique nécessite une vigilance particulière pour s'assurer de la balance bénéfice-risque pour les patients et leur assurer des traitements sûrs. C'est aussi notre rôle. Cette nouvelle période suscite de fortes inquiétudes chez les salariés de l'Institut. Ce n'est pas sans impact sur l'Institut. Dans un marché de l'emploi tendu, je vais être très vigilant pour préserver l'attractivité de nos missions. Il s'agit d'éviter une perte de compétences en sûreté et en radioprotection à court et moyen terme. Je souhaite rappeler, pour conclure, que la cadence et la charge d'expertise et de recherche pour les années à venir est très importante. Les équipes de l'IRSN, que je remercie pour leur engagement, se sont organisées pour répondre à ces enjeux et être à la hauteur de leur mission de service public. Pour conclure, en qualité de dirigeant de ce bel établissement public qu'est l'IRSN, je travaille, comme me le demande la lettre de mission, à formuler des propositions de mise en œuvre de cette décision. Ainsi, les schémas qui pourraient être mis en place dans le cadre de cette évolution, il est nécessaire de préserver les compétences techniques et scientifiques pour être capable de continuer à fournir une expertise au plus haut niveau, d'assurer la séparation entre l'expert et le décideur, y compris dans une structure unique, de soutenir d'une manière ou d'une autre la pérennité de la combinaison entre expertise et recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie. Bien, merci à vous pour cette présentation.
la présentation notamment des enjeux d'aujourd'hui et qui viendront également dans le cadre de la réforme. Pour mettre en perspective le projet de transformation du système de contrôle de la sûreté nucléaire, nous allons à présent entendre Michael Mangon, qui est donc historien du nucléaire. Mangon, pardon. Merci. Qui est donc historien du nucléaire, auteur d'une thèse de doctorat et donc diverses publications sur ce sujet. Et donc, vous allez essayer en 5-10 minutes, oui, si vous le souhaitez, si essayer. Vous le pouvez, eh bien de nous éclairer sur la perspective de cette évolution. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir convié à cette audition. Je suis donc Michael Mangon, chercheur associé au laboratoire Environnement, Ville et Société de l'Université de Lyon et également consultant. Ma connaissance du fonctionnement et de l'histoire du système de contrôle et d'expertise vient d'un travail de thèse en sciences de gestion réalisé à Mines Paris Tech et au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'IRSN, un institut avec lequel je travaille encore régulièrement. Dernier point d'introduction, je ne connais aucun détail de ce projet de réforme, autre que la communication grand public qui a été faite par le gouvernement, et je vais me concentrer sur les aspects relatifs à la sûreté nucléaire et aux installations civiles. Donc pour démarrer, je considère cette nouvelle réforme du système de contrôle et d'expertise comme une rupture majeure au regard des temporalités longues d'évolution de ce système. Pour étayer ce constat, on peut brièvement revenir sur les choix qui ont présidé à la création de l'IRSN et de l'ASN, ce qui peut éclairer les risques et opportunités d'une réforme de ce type. C'est pendant les années 1970 et au cœur du développement du programme nucléaire français de centrale EDF que sont créés un petit service de quelques agents en charge de contrôler la sûreté nucléaire au sein du ministère de l'Industrie, mais également un institut en charge de l'expertise et de la recherche en sûreté et radioprotection au sein du CEA, l'IPSN, on en a parlé déjà un petit peu. Si les réacteurs français sont américains, le modèle d'expertise et de contrôle des États-Unis est considéré comme trop dirigiste, trop réglementaire et il n'est pas retenu. La France poursuit plutôt une philosophie plus souple, basée avant tout sur le dialogue technique entre experts, autorités et exploitants. Ce petit monde de la sûreté nucléaire va expertiser et contrôler les centrales nucléaires EDF du plan Messmer et les suivantes à marche forcée, avec une réglementation modeste dans des arènes discrètes et fermées au public, où la négociation et la recherche de consensus entre spécialistes sont alors la norme. La rapidité de développement du programme nucléaire français, mais aussi l'accident de Three Mile Island en 1979 aux États-Unis, vont avoir pour conséquence de consolider ce système français, alors que la commission américaine dite Kemeny, en charge d'analyser cet accident, va pointer le focus trop réglementaire de l'autorité de sûreté américaine. A contrario, l'accident de Tchernobyl en 1986, et notamment l'affaire très médiatique du nuage radioactif, va fortement délégitimer le système français qui va être associé au lobby nucléaire. Dès 1987, l'OPEXT propose la création d'une agence nationale de sécurité et d'information nucléaire indépendante des pouvoirs publics pour surveiller et réglementer les installations et assurer la communication auprès du public. Cette idée ne sera pas directement reprise, mais le petit service de contrôle au sein du ministère de l'Industrie va grossir et évoluer dans les années 90, alors que de son côté, l'IPSN va progressivement prendre son indépendance au sein du CEA. La fin des années 1990 marque le point de départ de la réorganisation la plus importante du système avec la recommandation par Jean-Yves Le Déo en 98 de créer un expert public indépendant du CEA et une autorité de sûreté forte et indépendante du gouvernement, précisant également que construire un lien organique trop fort entre l'autorité de sûreté et le pôle expertise reviendrait à limiter la capacité d'expression de ce pôle d'expertise. La séparation entre expertise scientifique et décision est alors un élément clé de cette nouvelle réforme qui est devenue aujourd'hui un standard de bonne gouvernance des risques. La création de l'IRSN en 2002 et de l'ASN en 2006 est donc l'achèvement d'un long processus pour restaurer la confiance et la réputation du contrôle et de l'expertise aux yeux du public. Évidemment, ce nouveau système n'est pas exempt de critiques. À la fin des années 2000, on envisage un renouveau du nucléaire. Le chantier de l'EPR de Flamanville est en route, on entrevoit un second EPR à Penly, mais également d'exporter des réacteurs à travers le monde. Un rapport sur l'avenir de la filière nucléaire commandé par le président Nicolas Sarkozy à François Rousseli, ancien dirigeant d'EDF, pointe alors les excès de zèle de l'ASN et préconise que l'IRSN assure la diffusion et la promotion des règles françaises à l'international pour favoriser et en support aux exploitants dans la vente de leurs réacteurs.
L'accident de Fukushima en 2011 va mettre provisoirement un terme à ses volontés de changer le système vers plus de souplesse et d'adéquation avec le développement industriel. Le système français est alors cité comme un modèle de sûreté après Fukushima, qui a notamment montré les risques que présente une collusion entre contrôleurs et contrôlés, ce qui fut le cas au Japon. Cette histoire nous apprend qu'il y a deux tournants majeurs pour réformer un système, en réponse et en accompagnement du développement d'un programme nucléaire, ou alors en réponse à un accident ou une crise pour regagner la légitimité et la confiance de la société. Aujourd'hui, nous entrons dans une ère nouvelle, au croisement entre développement d'un programme nucléaire, enjeu de sûreté, de légitimité et de confiance. Pour cette réforme, comment l'interaction entre ces enjeux a-t-elle été pensée? Imaginez quels sont les impacts possibles de cette réforme sur l'efficacité industrielle, d'une part, et sur la sûreté, d'autre part. Je n'ai pas vu passer, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu passer d'informations ou d'études sur ces sujets. Enfin, on a souvent tendance à se focaliser sur les aspects techniques pour analyser les accidents nucléaires, mais l'histoire nous montre que le système et son fonctionnement sont une cause profonde d'accidents nucléaires. Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima ont des liens forts avec le fonctionnement du système en place au moment de ces accidents dans les pays concernés. En ce sens, toute décision de réforme du système a un impact, direct ou indirect, sur la sûreté nucléaire et doit être analysée en profondeur. À ce stade, j'aurais donc du mal à dire si la sûreté se retrouve renforcée ou non avec ce projet de réforme dont je connais peu les contours, mais je vais terminer mon propos en énumérant certains risques qui sont finalement plutôt à ce stade des questions. Sur les temporalités, démarrer un programme nucléaire sur un système en mutation, pas encore stabilisé, possiblement désorganisé, présente un risque en matière de sûreté, notamment du point de vue des facteurs humains et organisationnels. Second point, une partie des travaux de recherche de l'IRSN sont difficilement dissociables de l'expertise. Parfois, les experts sont eux-mêmes chercheurs. Le maintien d'un modèle dans lequel l'expertise se base sur une science indépendante est aussi un facteur de sûreté. Ce modèle sera-t-il préservé? Concernant la séparation expertise-décision, on a pu voir que c'est un standard de bonne pratique au niveau international, est reconnu comme un gage de sûreté. Quelle sera la forme organisationnelle, mais aussi et surtout dans la pratique, comment cette séparation va-t-elle s'opérer dans la nouvelle organisation? On a parlé du modèle de la NRC, donc par exemple, quels sont les atouts et faiblesses de ce modèle d'un point de vue de la séparation expertise et décision? Concernant le risque réputationnel, la longue route du système depuis Tchernobyl a conféré un pouvoir et une légitimité forte à l'ASN et à l'IRSN auprès des citoyens qui s'est construit sur le très long terme. Si un accident nucléaire survient en France, le système sera de toute façon mis en cause. Il devra alors être très solide pour affronter cette épreuve et ne pas refléter l'image d'un système dont le but premier est de favoriser le développement d'un nouveau programme nucléaire. Enfin, l'IRSN a construit un lien fort avec la société et le tissu associatif en matière de dialogue, de médiation scientifique et de communication. Le maintien de ce lien fort avec la société me semble primordial. Ce lien et l'implication de la société est aussi une demande forte du panel de citoyens, du débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires, de la Commission nationale du débat public. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Mangeon, pour cette mise en perspective. Je vais à présent donner la parole à deux grands exploitants d'installations nucléaires industrielles, que sont EDF et Orano, qui vont présenter leurs attentes vis-à-vis du système de contrôle de la sûreté, dont ils sont aussi un maillon essentiel. Je rappelle en effet que l'un des principes fondateurs de la sûreté nucléaire est que sa responsabilité première incombe à l'exploitant. Je commence par donner la parole à Bernard Sala, directeur recherche et développement et directeur technique du groupe EDF. Monsieur le Président, mesdames les parlementaires, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet extrêmement important. La sûreté, je voudrais le dire en premier, est la priorité numéro 1 d'EDF, exploitant nucléaire responsable, comme vous l'avez dit. Nous avons pris bonne note des annonces gouvernementales sur l'évolution de l'organisation du contrôle de sûreté. Il ne nous appartient pas, en tant qu'EDF, de nous positionner vis-à-vis de l'organisation de ce contrôle. Il existe à l'international, comme cela a été évoqué, plusieurs pratiques différentes en matière d'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire qui ont fait la preuve de leur bon fonctionnement. Certaines sont très proches de l'organisation envisagée. On a cité la NRC, il peut y avoir aussi l'ONR britannique, la STUC finlandaise ou l'autorité de sûreté même japonaise récemment rénovée après Fukushima. À ce titre, EDF est confiant que la très haute qualité du contrôle de sûreté en France sera maintenue, voire accrue dans le cadre de la nouvelle organisation.
Ce que je souhaiterais faire dans mes propos suivants, c'est vous donner effectivement nos attentes, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, basées sur notre retour d'expérience d'exploitation de nos réacteurs. Pour assurer notre rôle d'exploitant nucléaire responsable, EDF est attaché à une organisation du contrôle de la sûreté qui soit compétente et expérimentée techniquement, qui soit aussi impartiale et indépendante vis-à-vis de l'exploitant, tant vis-à-vis de l'exploitant que de l'ensemble des parties prenantes, quelles qu'elles soient. Qui soit aussi porteuse de règles et de pratiques techniques de contrôle qui n'évoluent que dans un cadre fixé stable, notamment décennal, hors fait nouveau à caractère exceptionnel, de façon à donner aux exploitants le temps nécessaire pour une bonne appropriation industrielle et humaine. Qui soit à l'écoute des dispositions prises à l'international par des organisations de contrôle similaires et réceptives à une homogénéisation internationale des meilleures pratiques. Qui soit également transparente et ouverte à des échanges techniques fluides dans la phase d'instruction, préalablement à l'élaboration et la validation de ces avis, publiés par un porte-parole unique. Forte de ressources suffisantes qu'elle maîtrise, lui permettant d'accéder à des moyens d'expertise internes qui lui sont propres ou externes avec lesquels elle contractualiserait, compte tenu des besoins importants à venir. Exploitation des réacteurs, exploitation long terme, instruction des projets EPR, SMR, voire d'autres types de réacteurs. Je voudrais vous signaler, pour vous donner des ordres de grandeur de la charge de travail à mener, que le volume des travaux d'une quatrième visite décennale sur le palier 900 MW représente 5 fois celui d'une visite de troisième décennale. Je dis bien 5 fois. Les investissements que nous faisons sur notre parc nucléaire en exploitation ont été multipliés par 2 en 10 ans. L'instruction de sûreté des réacteurs EPR2 et de Newward est également devant nous. Il faudra également prévoir des ressources pour les réacteurs innovants à sel fondu, haute température, sodium, plomb ou autre. Il faut veiller à ce que cette question de ressources ne constitue pas un goulet d'étranglement au développement de ces projets du fait d'une insuffisance de moyens de l'autorité de contrôle. EDF reconnaît également l'apport du HCTISN, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité du nucléaire, pour garantir et promouvoir la transparence de l'information sur la sécurité du nucléaire. Sur l'évolution des règles et des pratiques techniques de contrôle de sûreté et les activités de R&D qui ont été évoquées, EDF souhaite que les règles et pratiques techniques de contrôle restent à la pointe technologique des meilleures pratiques disponibles et que pour cela, elles continuent à évoluer en renforçant ou déterrant les exigences grâce aux avancées techniques apportées par le retour d'expérience français et international et par la R&D. Pour autant, les résultats de recherche doivent acquérir la maturité industrielle nécessaire avant d'être intégrés dans les règles techniques du contrôle. Le temps de la R&D et celui du contrôle ne sont pas les mêmes. À ce titre, EDF souhaite que l'autorité de contrôle puisse commanditer les activités de recherche qu'elle juge pertinentes et décider du moment opportun de leur intégration dans les règles et pratiques de contrôle. À ce titre, EDF est favorable à la séparation de maîtrise d'ouvrage au sens cahier des charges, budget dédié et calendrier de la recherche et des activités de réalisation de celle-ci. Aussi, l'évolution de l'organisation conduisant à mobiliser préférentiellement les compétences du CEA pour la réalisation des activités de recherche nous paraît aller dans la bonne direction. Il est important aussi, et ça a été dit, que l'ASN, la nouvelle ASN, puisse disposer des ressources techniques permettant de jouer son rôle de maîtrise d'ouvrage de la recherche et de choisir les acteurs avec lesquels elle la contractualise. Le CEA devra également clarifier la séparation entre les activités de R&D faites pour le compte de l'exploitant qui existent aujourd'hui et celles faites pour le compte de l'ASN pour éviter tout conflit d'intérêts.
Sur l'innovation, EDF constate l'émergence de nouvelles innovations, évolutions technologiques qui pourraient avoir des impacts directs ou indirects dans le nucléaire. Je vais citer le digital, l'intelligence artificielle, la fabrication additive, les nouveaux matériaux, le système passif, les nouveaux petits réacteurs que j'évoquais tout à l'heure. À ce titre, EDF souhaite que la nouvelle organisation du contrôle de sûreté permette d'intégrer ces innovations. EDF est favorable à la mise en place de modalités progressives d'instruction de sûreté, prototypage, installation pilote, installation de série, à l'instar de ce qui existe dans d'autres industries de pointe. Sur les codes de calcul, EDF considère avoir eu avec l'IRSN des collaborations techniques fructueuses sur la mise au point de codes de calcul français élaborés et utilisés pour le dimensionnement et la vérification des installations. Sans rentrer trop dans la technique, Qatar 3, Sinclair, Magic, Saturn, ils ont tous des petits noms. Ce travail mené en commun optimise l'utilisation de ressources rares et permet une compréhension partagée des phénomènes physiques à étudier hors du cadre du contrôle de sûreté. Nous recommandons que ces coopérations sur les codes de calcul soient préservées dans le cadre de la nouvelle organisation. En conclusion, EDF constate que la nouvelle organisation envisagée pour le contrôle de sûreté se rapproche de schémas déjà pratiqués à l'international et qui ont fait la preuve de leur succès. EDF considère que cette nouvelle organisation est une opportunité pour poursuivre et amplifier la démarche de progrès lancée il y a plusieurs années avec la création de l'autorité de sûreté nucléaire indépendante et en lui donnant en complément pleinement la maîtrise et le pilotage des ressources consacrées au contrôle. À ce titre, la prise en compte des recommandations que je viens de faire est une voie d'amélioration pour exploiter en toute sûreté dans la durée, avec les meilleures technologies disponibles, notre parc de réacteurs existants et futurs. EDF, en tant qu'exploitant nucléaire responsable, est à la disposition, le moment venu, des trois acteurs désignés, donc par la ministre, l'ASN, l'IRSN, le CEA, pour la déclinaison de la nouvelle organisation. Je vous remercie. Bien, merci à vous pour ces explications. Je laisse maintenant la parole à Laurence Gazagne, qui est directrice sûreté, santé, sécurité et environnement d'Orano. Monsieur le Président, merci de cette invitation et Orano est heureux de participer à ce débat. À l'heure où la filière nucléaire se projette dans des chantiers de construction de futurs EPR et engage ses réflexions sur l'avenir des installations de l'aval du cycle, la question de la mise en œuvre de la sûreté nucléaire en France se pose de façon avec une acuité nouvelle. Le contexte impose à la fois l'anticipation des décisions pour préparer l'avenir et le besoin de priorisation, tout en maintenant un haut niveau de contrôle de la sûreté de nos installations. Ceci implique de conserver une filière nucléaire bien gréée et une autorité de sûreté nucléaire organisée et efficace. Il va de soi qu'il ne nous revient pas de commenter l'organisation de son autorité de contrôle. Quel que soit le schéma d'organisation retenu pour l'autorité, l'exploitant se mettra en ordre de marche pour s'assurer que la sûreté et la radioprotection soient appliquées le plus efficacement possible à ses installations, notamment avec cette notion de responsabilité d'exploitant. Je ne rappellerai pas que pour Orano, la sûreté nucléaire est une priorité absolue. Ça va de soi également. Elle est assurée par l'ensemble des dispositions prises en vue de prévenir les accidents et d'en limiter les effets, donc, tant dans les domaines techniques, organisationnels et humains, relative à la conception, à la construction et à l'exploitation, jusqu'à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement de nos installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives qu'il ne faut pas oublier. Au sein du groupe, nous avons environ 1500 personnes qui sont dédiées à ces activités de sûreté et de radioprotection parmi les 16 000 collaborateurs que contient le groupe. Et par ailleurs, nous disposons également de notre propre corps d'inspection. Nous cultivons la transparence par une communication régulière, tant en interne qu'en externe, avec nos parties prenantes. Au regard des grands défis de la filière nucléaire d'aujourd'hui et de demain, le changement climatique, les crises sanitaires et géopolitiques, la relance du nucléaire, Orano s'attache tout particulièrement à garantir la sûreté de ses installations. Et c'est bien la responsabilité première de l'exploitant nucléaire de veiller
à ce que cet objectif fondamental de sûreté soit atteint dans tous les modes de fonctionnement de l'installation, c'est-à-dire protéger les personnes et l'environnement contre les effets dommageables du rayonnement ionisant et d'autres sources de danger. Cet objectif repose sur trois grands principes. Le premier, décliner une approche proportionnée aux enjeux. Il s'agit pour l'exploitant, dès la conception des installations et pendant les réexamens de périodiques, de concentrer les ressources sur les sujets à enjeu et de maîtriser les risques majeurs au niveau de sûreté adapté. Cela implique un dialogue de sûreté entretenu et approfondi avec l'autorité pour une hiérarchisation des sujets. Le deuxième principe, c'est d'appliquer les exigences de sûreté avec rigueur au plus près du terrain, c'est-à-dire traduire les rapports de sûreté en gestes opérationnels maîtrisés. Notre organisation repose sur du personnel formé avec une solide culture de sûreté travaillant pour améliorer au quotidien la sûreté et la radioprotection, des contrôles dits de premier niveau et, comme je le disais, un corps d'inspecteurs interne à Orano. Le troisième enjeu est d'anticiper les conditions de la poursuite du fonctionnement du cycle en sûreté. Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, l'exploitant a besoin d'une stabilisation des référentiels et d'une simplification des procédures qui sont des facteurs clés de succès. Quels sont les défis spécifiques à Orano? Vous les connaissez dans ce contexte. Hein, il y a l'extension de l'usine d'enrichissement pour laquelle la concertation a démarré sur le tricastin, la pérennisation du traitement recyclage des combustibles usés assurés par les usines de Lague et de Mélox, tout en assurant la gestion des passifs et le démantèlement de nos installations. Pour préparer le futur sur la base du retour d'expérience des années de fonctionnement des installations, la filière aura à développer des outils exploitables, maintenables, qui délivrent en temps et en heure et en sûreté. Ceci suppose également des études techniques et des dossiers nombreux à élaborer par l'exploitant et à instruire par l'autorité. Tout cela implique un développement d'approches innovantes également en termes de techniques de construction, par exemple, et de méthodes telles que les codes de calcul dont nous parlions, le renforcement d'une approche opérationnelle, une vision partagée et hiérarchisée des objectifs de sûreté et de radioprotection, le maintien et le développement des compétences chez l'exploitant, mais aussi chez son autorité, et la capacité collective à instruire rapidement et efficacement les dossiers. Je vous remercie. Bien, merci à vous pour cette contribution. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à l'un de mes illustres prédécesseurs, Claude Biraud, qui revient dans ces murs pour porter la voix, cette fois-ci, d'une instance de concertation et de dialogue qui est centrale dans le système de contrôle de la sûreté nucléaire, le Haut Comité pour la transparence et l'information de la sécurité nucléaire. Cher Claude, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire que je n'exprimerai pas l'avis global du Haut Comité qui est composé de cette partie et qu'il faut un accord entre ces parties pour donner un avis, puisqu'il n'a pas eu à statuer là-dessus. Mais j'ai pu échanger avec la présidente et je dois vous dire en préambule que j'ai déjà une relation assez particulière avec l'ASN et avec l'IRSN. Avec l'IRSN d'abord parce que j'ai fait partie au tout début, alors qu'il était encore IPSN, d'un comité de préfiguration de ce qu'aurait été un conseil d'administration d'un IPSN indépendant. D'autre part, en 2002, lorsque la loi a instauré l'IRSN, le gouvernement de l'époque avait prévu de séparer les activités civiles des activités militaires de l'IRSN. J'avais évidemment défendu le point de vue inverse avec beaucoup de conviction et de véhémence. Et je puis vous dire que Mme Toubiana, qui était la conseillère environnement du Premier ministre, m'avait recontacté, et ainsi que Robert Gallet, à la demande du Premier ministre, pour savoir comment et voir la structure définitive de l'IRSN. Et la semaine suivante, j'ai croisé Robert Gallet qui m'a dit « Madame Toubiana t'a appelé ». Elle m'a dit que nous avions la même position, c'est-à-dire qu'il fallait bien que les activités militaires restent à l'IRSN avec un directeur adjoint chargé des activités militaires. Donc ça nous ramène à la proposition d'aujourd'hui. Moi, je suis un peu surpris parce que la loi qui a créé l'ASN
dit que ses membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité. Or, la demande qu'il leur est faite pour fin février me semble être d'abord une instruction. Avec l'ASN, l'Office parlementaire a entretenu des liens de confiance pendant tout le temps, à des relations de proximité, et c'est très bien qu'il y ait cette relation entre l'autorité de sûreté et le Parlement. L'organisation qui est prévue me paraît recéler une méconnaissance grave de l'organisation de la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire, ce n'est pas un nirvana que l'on atteint un jour en disant « ça y est, j'ai atteint la sûreté nucléaire ». La sûreté nucléaire, c'est un combat de tous les jours. Et lorsque je rencontrais les organisations syndicales, elles me disaient « nous sommes, nous, les travailleurs du nucléaire ». D'ailleurs, Monsieur le Président, vous auriez peut-être pu aussi inviter les organisations syndicales à s'exprimer. Et les travailleurs du nucléaire, ce ne sont pas des travailleurs comme les autres. Et la sûreté nucléaire, elle se nourrit de quoi ? Elle se nourrit de la confrontation entre l'expertise, la recherche, l'autorité de sûreté nucléaire. Et c'est de cette confrontation-là que va naître tous les jours la sûreté nucléaire. On ne l'atteint pas une fois pour toutes. Elle se fonde sur la recherche. Et elle se nourrit de la recherche. Et aujourd'hui, si la recherche devait partir au CEA, ça me paraîtrait quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que on serait dans une sorte de confusion des genres. Confusion des genres, parce que l'autorité de sûreté, elle a aussi autorité sur les installations du CEA. Or, comment juger de la sûreté d'une nouvelle installation si la recherche sur laquelle s'appuiera son expertise est faite au CEA? Ça me paraît être une confusion des genres qui est fortement préjudiciable à l'organisation même de la sûreté. Et l'autre chose qui me paraît importante, le nucléaire aujourd'hui a un certain regain d'intérêt compte tenu de la crise énergétique. Il y a une confiance du public qui a été difficile à obtenir parce qu'il y a 40 ans, on disait c'est tous les mêmes. Le gouvernement, le ministère de l'Industrie, ce qu'on appelait le zinzin, l'IPSN, le CEA, c'est les mêmes. EDF, on ne peut pas avoir confiance. Tout le travail de toutes ces années, sous l'impulsion de l'Office parlementaire et d'autres, a été de séparer les fonctions d'expertise, de recherche et de régulation administrative. Aujourd'hui, imaginez une installation de recherche du CEA sur laquelle l'ASN doit se prononcer. Elle va faire appel à ses experts. Où est-ce qu'elle a le service de recherche qui pourra la conseiller, puisqu'elle n'aura plus de recherche? Elle va la prendre au CEA et va être juge et partie. Et ça, c'est un recul que vous ne mesurez pas, mais c'est un recul de 40 ans. Et je crois qu'il ne faut pas rompre brutalement, casser cette confiance qui, au fil du temps, s'est nouée sur l'organisation actuelle. L'IRSN a aussi un rôle important vis-à-vis de la société civile, avec le Conseil d'orientation de la recherche qui regroupe, avec l'interface société scientifique pour co-construire un certain nombre de choses. Si tout cela disparaît, c'est la confiance qui va disparaître et la suspicion qui va nourrir à nouveau le doute chez nos concitoyens. Donc il ne faudrait pas qu'en voulant aller vite, on se heurte ensuite à une opposition de plus en plus véhémente et de plus en plus forte, parce que cela serait contre-productif. Chacun sait ici ce que cela veut dire, mais au véritable sens, c'est-à-dire contre l'intérêt et contre la marche normale d'un système de recherche. J'ai bien connu la NRC.
la NRC était un être extrêmement lourd. On ne pouvait pas rencontrer les commissaires ensemble. On ne pouvait pas les rencontrer deux par deux. Il fallait les rencontrer individuellement. Et la seule fois où j'ai pu les voir, 4 sur 5, c'est dans un déjeuner où le président Richard Meserve m'avait invité. Donc, on est toujours dans ce système administratif. Il y a quelque chose qui marche bien. Je pense que la fluidité marche. Il n'est peut-être pas nécessaire de tout casser. Bien, merci, chers collègues, pour cette expression qui a le mérite d'être claire. Les commissions locales d'information sont une autre composante importante dans notre système de contrôle de la sûreté. Et dans cette perspective, je laisse la parole à Jean-Claude Delalonde, qui est président de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette audition publique en tant que Fédération nationale des 35 commissions locales d'information, les CLI. Des instances qui œuvrent depuis 42 ans et que la loi de 2006 sur la transparence, puis celle de 2015 sur la transition énergétique ont conforté dans leur mission et dans leur rôle. Pour la bonne information de tous et du public qui nous suit, compte tenu du temps qui m'est alloué, je souhaiterais que vous acceptiez, Monsieur le Président, que l'ENCLI verse à cette réunion trois documents qui expliquent nos interrogations sur le projet qui nous réunit aujourd'hui. Le premier, du 15 avril 2014, est un rapport co-signé de l'ASN et de l'IRSN. Il précise, je cite, « Le dispositif de contrôle des activités nucléaires civiles repose sur un dispositif dual ASN-IRSN dont l'efficacité en matière de gouvernance des risques est démontrée. » C'était pas, il n'y a pas si longtemps. Il mentionne également, je cite, « que la principale force du dispositif dual réside dans le fait que le poids de la décision ne pèse pas sur l'Institut, qui est en charge de l'expertise et de la recherche associée. Et il souligne l'importance fondamentale de la recherche comme un déterminant majeur de la qualité de l'expertise de l'IRSN. Le deuxième document du 2 juin 2016, un peu plus proche, également co-signé de l'ASN et de l'IRSN, qui plébiscite de nouveau le système dual, en insistant sur les conséquences négatives d'une possible mise en concurrence de la fonction d'évaluation technique des risques nucléaires et radiologiques en cas de fusion de l'IRSN avec l'ASN, 2016. Le troisième, du 11 mai 2015, qui fait suite aux entretiens que l'ENCLI et personnellement que j'ai rencontrés et que nous avons eus sur le financement et le renforcement de la sûreté nucléaire dans le cadre d'une mission décidée par le ministre des Finances et la ministre de l'Environnement de l'époque. L'ENCLI rappelait notamment son attachement à l'accès du public à l'expertise institutionnelle et à son indépendance, précisant que l'indépendance dans l'expertise serait perçue par le public comme une raison suffisante de défiance, ce qu'a dit Claude Biron. L'ENCLI alertait enfin et déjà sur l'inefficience des procédures précipitées, ce que nous pensons encore aujourd'hui. Je souhaite souligner trois points essentiels. Quelle urgence y a-t-il aujourd'hui à devoir remettre sous 15 jours au gouvernement les premières mesures législatives visant à mettre en œuvre ces évolutions organisationnelles? Le système dual plébiscité unanimement depuis 2014 et 2016 a-t-il été remis en cause par quiconque? A-t-il montré des faiblesses jusqu'alors imperceptibles? A-t-il failli à son objectif d'un système d'expertise et de contrôle indépendant, complémentaire et ultra robuste? À ma connaissance, non. En 2014, la Cour des comptes avait considéré, je cite, que la fusion était inappropriée et inefficace et qu'il fallait suivre les propositions conjointes de l'ASN et de l'IRSN de consolidation du dispositif dual qui lui-même était le résultat des préconisations de l'OPEX. Je rappelle que le rapport remis au gouvernement en 2015 qui proposait la fusion des deux institutions avait été définitivement écarté par le Parlement et l'exécutif. Y a-t-il aujourd'hui une étude d'impact qui conformerait la décision du Conseil de politique nucléaire
et qui aurait examiné les conséquences positives et ou négatives du changement de l'organisation actuelle de la sûreté, ou qui irait à l'encontre des décisions de 2014 et de 2016 que j'ai pu citer précédemment. À ma connaissance, non. Transférer la recherche au CEA, quelle que soit sa compétence, ne nous conduit-il pas à un risque de fermeture de l'accès aux informations à la société civile, que nous connaissons par ailleurs avec le CEA? Enfin, les CLI et l'ENCLI ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans les efforts et les initiatives différentes et complémentaires développées à la fois par l'ASN et par l'IRSN pour développer la compétence de nos membres sur les questions du nucléaire. L'expertise citoyenne est devenue une réalité, reconnue par les acteurs du nucléaire. Et c'est grâce à ce dispositif dual. Cette expertise citoyenne challenge, en quelque sorte, la sûreté, mais aussi la recherche. À une époque où les organismes institutionnels sont en pleine crise de confiance avec leurs administrés, l'ouverture de l'IRSN à la société civile est un axe fort pour renforcer la cohésion des acteurs, pour co-construire les décisions dans le domaine sensible et tabou que nous connaissons dans la filière nucléaire. Ceci ne risque-t-il pas de disparaître dans la nouvelle organisation et donc de ne plus permettre aux CLI et à l'ENCLI de répondre à leurs missions fixées par la loi, ne plus leur permettre d'être en capacité de donner leur avis dans les processus de consultation? L'ENCLI craint la fragilisation du socle d'une sûreté nucléaire de qualité, indépendante et robuste, qui est notre bien commun. J'en terminerai là, Monsieur le Président, ne brûlant pas sur le bûcher une organisation exemplaire. Si une évolution doit se faire, elle doit se faire sereinement, en posant les arguments positifs et négatifs, et en examinant toutes les conséquences d'un changement, et ceci sous le contrôle du Parlement, dont la responsabilité est très importante à mes yeux. En ce sens, je me permets de vous suggérer que soit lancée, pourquoi pas sous l'égide de l'OPEX, une forme d'état généraux de la sûreté. Il s'agirait d'examiner l'organisation actuelle de la sûreté, de sa recherche, de son expertise, de son contrôle, mais aussi d'examiner les synergies entre les acteurs et enfin de rechercher, pourquoi pas, les vecteurs les plus appropriés pour fluidifier s'il le faut ou pour réorganiser le système. Merci de votre attention. Bien, je vous remercie pour votre intervention. Simplement, je voudrais en préambule dire que l'OPEX est évidemment toujours l'acteur principal et restera l'acteur principal du Parlement sur les enjeux de sûreté nucléaire. Nous avons eu d'ailleurs, il y a encore quelques semaines, l'occasion d'échanger, de vous inviter lors d'une audition sur la corrosion sous contrainte. C'est, si je puis dire, l'engagement ou la thématique qui est sûrement la plus abordée au sein de l'Office, et ce depuis sa création. Et c'est pourquoi nous nous devions aujourd'hui de pouvoir toutes et tous vous auditionner dans le cadre de cette réforme annoncée par le ministère de la Transition énergétique. Nous allons à présent ouvrir le débat. Et je suis sûr que beaucoup de nos collègues parlementaires ont des questions à poser. J'ai reçu des premières demandes et n'hésitez pas également à me solliciter pour demander la parole. Je laisse la parole à Gérard Le Seul. Merci, Président. Merci, Madame, Messieurs, pour vos propos. Je me permettrai de poursuivre le débat en posant trois questions que l'on pourrait résumer finalement en pourquoi, pourquoi, pourquoi. Première question, si vous me le permettez, au président de l'ASN. L'ASN fête cette année les 50 ans de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Le statut de l'ASN est fixé par la loi de 2006, dite loi transparence, après des débats fructueux au Parlement et une approbation quasi unanime des parlementaires. Depuis cette date, l'ASN et l'IRSN ont fait preuve de leurs compétences et de leur transparence.
Et dans les circonstances dramatiques liées à Fukushima, dans le contrôle au quotidien du nucléaire en France, le PR de Flamanville, les corrosions sous contrainte, le système français de contrôle du nucléaire a prouvé sa compétence, son indépendance et sa transparence. Alors pourquoi remettre en cause brutalement ou soudainement le fonctionnement d'une équipe qui a globalement gagné la confiance des Français, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Dans un contexte où la France a cruellement besoin d'elle, pourquoi ? Les fusions d'organisations, même réussies, sont boulimiques en énergie et créent des angoisses légitimes. Vous en avez évoqué quelques-unes, des dysfonctionnements. Alors pourquoi ? Les réponses données par la ministre à la Commission du développement durable récemment n'ont pas donné les explications que le Parlement est en droit d'attendre. Donc merci pour vos précisions sur ce point. Deuxième question, si vous me le permettez, deuxième salve au président de l'ASN. Le système dual qui a été évoqué à de nombreuses reprises tout à l'heure, le système dual donc, qui est basé sur deux organismes indépendants, ASN et RSN, va être donc fusionné. En tout cas, c'est le projet. Vous avez dit dans la presse récemment qu'un autre système dual allait être mis en place au sein de l'ASN en différenciant l'instruction qui serait le fait de vos services et la décision qui serait le fait du collège. Quelle garantie pouvez-vous donner en termes d'indépendance des deux processus pour qu'ils puissent continuer à être qualifiés de dual ? La loi transparence de 2006 a consacré le développement de la transparence et de la décision, de la participation des citoyens et des parties prenantes donc à cette décision. L'ASN, mais aussi et surtout l'IRSN, se sont largement impliqués dans ce processus légitime inscrit dans la loi. Comment comptez-vous le maintenir et surtout le faire progresser dans un contexte où une contrainte forte semble être l'accélération des procédures, peut-être d'ailleurs au détriment de la concertation et de la transparence ? Je suis, à titre personnel, très dubitatif sur le gain de temps réel et la qualité de la décision quand on simplifie par trop les procédures. Et puis, dernière question, si vous me le permettez, à EDF. Vous avez évoqué, monsieur, récemment le passage, enfin, votre établissement a évoqué récemment le passage jusqu'à 80 ans de la durée de vie des réacteurs, ce qui peut apparaître surprenant, voire inadapté à la réglementation, laquelle prévoit des réexamens de sûreté tous les 10 ans. Alors, j'aimerais beaucoup qu'EDF, exploitant responsable et prévoyant, puisse indiquer à la représentation nationale l'espérance de vie, réacteur par réacteur, de son parc. J'ai bien compris que la cuve est par définition dimensionnante pour la vie du réacteur. Quelle est votre visibilité sur ce point crucial pour la desserte énergétique de notre pays ? Je vous remercie, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, cher président. Hendrik Davy. Alors bonjour à toutes et tous. Merci d'abord pour vos éclaircissements sur les enjeux liés à la sécurité nucléaire. Je regrette juste effectivement que les représentants des travailleurs du nucléaire n'aient pas été invités. Peut-être une prochaine audition, ça serait intéressant. Voilà. Alors j'ai une série de questions et de commentaires. Vous connaissez la position du groupe LFI-NUPES. Nous sommes pour une sortie évidemment de l'énergie nucléaire et porter plutôt nos efforts sur la sobriété énergétique. Néanmoins, quels que soient nos choix stratégiques concernant l'énergie, nous aurons besoin encore longtemps de recherche dans le domaine du nucléaire, de métiers dans le secteur du nucléaire pour organiser la transition et surtout d'une organisation de contrôle concernant la sûreté nucléaire. Alors, quel est le problème structurel du nucléaire ? C'est qu'en cas d'accident, les conséquences peuvent être gravissimes, ce qui est un peu différent avec les énergies renouvelables. Le président de l'ASN déclarait en 2022 un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. Il y a donc toujours eu une suspicion dans notre pays sur la transparence concernant les risques associés au nucléaire. Donc moi, je suis assez étonné. Car chambouler notre système dual de contrôle de sûreté nucléaire et supprimer l'IRSN alors que le gouvernement veut relancer la filière est très surprenant d'un point de vue temporalité. Nous devons d'abord, je l'estime, une étude d'impact. Où sont les rapports qui mettraient en lumière le dysfonctionnement dans l'organisation duale actuelle ? Et cette restructuration ne va-t-elle pas changer notre doctrine vis-à-vis de la sûreté ? D'une doctrine déterministe à une doctrine un peu plus probabiliste, pour lever les obstacles, on le comprend bien, au développement du nucléaire, et ce, au détriment de notre sûreté collective. Enfin, que vont devenir les 1700 salariés de l'Institut si une telle réorganisation avait lieu ? Nous devons surtout s'assurer de l'indépendance de ceux qui contrôlent la sûreté et le décideur. Ce que vous avez rappelé, monsieur Jean-Christophe Niel, et ce qui me semble contradictoire avec la fusion annoncée, mais vous allez peut-être m'aurez expliqué ça. Michel Mangeon a aussi rappelé que cette séparation expertise-décision était gage de bonne gouvernance du système de sûreté et que les accidents passés étaient toujours liés à des défaillances du système de sûreté. Les Français ne risquent-ils pas d'interpréter cette réorganisation comme la volonté de casser le thermomètre qui régulièrement nous informe des dysfonctionnements dans le secteur du nucléaire ? Et vous aurez compris, je partage beaucoup le point de vue de Claude Birot et en ce qui me concerne et après les auditions, je ne peux que recommander un moratoire sur cette réorganisation et le lancement d'un grand débat sur la question de la sûreté nucléaire.
Merci. Stéphane Pienoir. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez d'abord de livrer quelques mots sur la méthode qui est utilisée par le gouvernement. Je fais partie de ceux, je crois, de tous ceux qui ont été très surpris par les annonces du gouvernement faites en catimini, j'ai envie de dire, au détour d'une conversation. Je trouve que ce sujet mérite bien mieux qu'une interpellation au détour d'un couloir. Et je trouve que cette méthode met déjà une forme de suspicion sur le procédé. Ceci étant dit, il appartient bien évidemment au gouvernement de définir la politique, les politiques publiques dont il a la charge. S'agissant de la sûreté nucléaire, évidemment que la ministre Pannier-Runacher a la responsabilité de éventuellement réinterroger le modèle de du contrôle de notre sûreté nucléaire. Ça a été dit, d'ailleurs, cette organisation est le fruit d'une évolution assez ancienne, pour certains 50 ans, c'est en fait assez récent, puisque les dernières décisions datent de 2002 et de 2006. Donc on a une organisation qui est en fait, qui date de 15 ans, d'une quinzaine d'années. C'est relativement court à l'échelle d'une industrie, et encore plus d'une industrie telle que l'industrie nucléaire. Donc ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que le gouvernement a la main pour définir éventuellement une nouvelle organisation, mais nous avons aussi la légitimité de nous interroger sur le modèle actuel, qui est donc le fruit de cette évolution, mais le fruit de décisions récentes. C'est le travail de contrôle des parlementaires qui s'illustre de cette manière. Je voudrais rappeler d'ailleurs au passage que bien peu de parlementaires s'émeuvent du piétinement en fait de la loi, puisque la loi de 2006, par exemple, prévoit la fermeture du cycle. C'est toujours inscrit dans nos textes de loi, l'arrêt du programme Astrid sur les réacteurs de nouvelle génération, de réacteurs à neutrons rapides, met à mal cette fermeture du cycle qui est issue de la loi de 2006. Je m'étonne que ça n'émeuve pas plus que ça un certain nombre de parlementaires. Pour en revenir au sujet, je serais évidemment d'accord avec tous ceux qui diront qu'il y a une nécessité de maintenir un niveau de sûreté optimal qui fait la force de notre industrie nucléaire si souvent et si lourdement mise à mal par d'autres décisions politiques. Je voudrais savoir sur les missions qui ont été confiées aux trois parties principales de cette affaire, à savoir l'IRSN, l'ASN et le CEA, si les parties donc ont déjà envisagé des évolutions, puisque telle est l'intention du gouvernement de vous confier cette initiative en définitive. Quels sont d'éventuels doublons qui ont été identifiés par chacun d'entre vous, et je pense évidemment à l'IRSN et à l'ASN, des optimisations, des évolutions qui seraient favorables et qui contribueraient à maintenir ce niveau de sûreté auquel nous sommes tous évidemment très attachés. Sur la diffusion des expertises, quels engagements peut prendre aujourd'hui l'ASN sur une transparence qui est elle aussi inscrite dans la loi de 2006. Comment l'ASN envisage cette évolution. En conclusion, et pour ne pas être trop long, Monsieur le Président, je voudrais dire quand même que le texte, nous avons eu un texte d'accélération de construction de nouveaux réacteurs nucléaires à l'Assemblée, enfin au Sénat d'abord, et prochainement à l'Assemblée nationale. Je trouve vraiment regrettable qu'on n'ait pas profité de ce texte en amont. C'est un projet de loi, donc avec une étude d'impact. Qu'on n'ait pas profité de cette occasion pour évaluer dans l'étude d'impact du projet de loi une éventuelle fusion. Ça, c'est vraiment pour en revenir sur la méthode. Je vous remercie. Bien, merci. Je vous propose que les intervenants puissent répondre aux premières questions, et ensuite, j'ai pris les autres intervenants, ne vous inquiétez pas. Peut-être Monsieur le Président de l'ASN. Très bien. Merci Monsieur le Président. Merci. Mesdames et messieurs les parlementaires, aussi de vos questions. Alors moi, j'insisterai essentiellement sur trois points qui me semblent avoir été évoqués à plusieurs reprises, à la fois dans les interventions et dans vos premières questions. Premier sujet sur lequel je veux intervenir, parce qu'on voit que c'est au cœur de notre discussion, c'est la question du système dit « dual », je le mets entre guillemets. Je pense qu'il faut que l'on regarde les choses de manière plus nuancée que ce que l'on peut penser être la réalité. En fait, comment se passe la prise de décision de l'autorité de sûreté et quel est le processus qui, face à un sujet, nous conduit à demander une expertise,
parfois à demander des avis à l'extérieur. Nous avons des groupes permanents d'experts qui donnent des avis et ensuite à débattre des différents avis, des différents rapports au sein d'un collège qui n'a pas été impliqué dans les étapes précédentes et qui prend une décision. D'abord, je voudrais nuancer le premier point, c'est que ce processus dit d'expertise en amont est déjà pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'IRSN qui fait son expertise indépendamment de l'ASN, indépendamment des exploitants. Nous sommes tous ensemble. Certes, la commande est à l'IRSN, le rapport d'expertise sera celui de l'IRSN, mais avant de se prononcer, avant d'émettre un avis d'expertise, encore faut-il aller au fond du sujet et discuter à la fois avec les exploitants. Ça a été rappelé, l'importance du dialogue technique avec les exploitants et avec les équipes de l'ASN qui ont aussi une expertise. Donc, le processus n'est pas aussi cloisonné qu'on pourrait penser. Il y a déjà dans l'étape d'expertise réalisée par l'IRSN des échanges. Ensuite, dire que c'est le modèle français unique, ce n'est pas vrai. Il y a certaines agences, je pense notamment à l'ANSES, qui a structurellement, dans ses missions, et c'est inscrit dans ses missions, à la fois la charge de réaliser des expertises et de prendre des décisions. Ça existe déjà. Donc, ce n'est pas un modèle qui serait totalement nouveau. Alors, bien sûr, c'est ciblé sur quelques... Mais ça existe. Ensuite, nous, à ASN, nous avons également, à l'intérieur de l'ASN, un service d'expertise pour des sujets qui sont très importants, très ciblés. Notamment, c'est tous les équipements sous pression de la chaudière nucléaire. C'est la direction des équipements sous pression de l'ASN qui mène l'expertise en relation étroite avec l'IRSN. Donc, voyez-vous, le panorama est plus nuancé que ce que l'on pourrait dire. Il faut, à mon avis, faire attention devant des affirmations qui peuvent être différentes. Alors, bien évidemment, à l'étranger, lorsque il y a plusieurs États, plusieurs pays dans lesquels les compétences d'expertise et de décision sont rassemblées, il y a des processus qui sont définis. Alors, je reviens sur votre question, monsieur le député. Évidemment, quel pourrait être un schéma, d'une certaine manière. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons déjà une séparation qui existe entre la phase amont, qui est la phase de dialogue technique, d'expertise, de relation avec l'exploitant, avec l'IRSN, et puis la phase aval, qui est la phase de décision. La loi prévoit que les décisions de l'autorité de sûreté nucléaire sont du ressort exclusif de son collège. C'est le collège qui décide. Et il décide sur quelle base ? Eh bien, il décide sur la base d'un rapport qui lui est présenté, de propositions qui lui sont faites et qui ont été élaborées dans le processus d'expertise en amont. Il n'y a pas de relation entre les membres du collège et les services jusqu'à la présentation du sujet en collège. Donc, c'est un modèle qui correspond peu ou prou à ce qui est mis en place dans les autorités indépendantes à l'étranger. Et c'est un modèle qui, bien évidemment, dans l'hypothèse où la réforme qui est présentée irait à son terme, serait à consolider, à définir, à préciser. Mais il y aurait bien toujours une séparation entre l'amont et l'aval de la prise de décision. Et c'est important en termes de responsabilité, bien évidemment. Tout à fait clair. Ensuite, je voudrais intervenir sur le sujet de la transparence et le sujet de la relation avec le public. Comme ça a été très bien dit par le président de l'ANCLI, en fait, nous travaillons déjà ensemble, IRSN et ASN, dans toutes les relations avec le réseau des CLI, avec l'ANCLI, avec le Haut Comité, avec les parties prenantes. Je reçois moi-même régulièrement les ONG. Donc, il n'y a pas d'un côté une entité qui serait ouverte à la société aux relations avec les parties prenantes et de l'autre côté, une entité qui le serait moins. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Nous avons et parfois, nous faisons des choses ensemble. Il y a toute une série d'innovations qui ont été faites ces dernières années en termes de participation du public, d'association du public dans le processus même d'instruction et de décision. Je pense notamment aux 4e visites décennales où réglementairement, il n'y a pas d'obligation d'associer les publics. Et nous l'avons fait avec le Haut Comité. Et nous l'avons fait en liaison avec les CLI. On a fait des webinaires sur la CSC, ça a été la même chose. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se font de part et d'autre, qui se font ensemble. Et dans la nouvelle structure, si bien sûr la réforme était mise en place, tout cela sera maintenu, voire consolidé. Il n'y a aucune raison que ça disparaisse, la relation avec la société civile, tout le travail de dialogue technique restera. Il n'y a pas d'obligation ou d'interdiction à ce que ça soit porté par l'ESSE. Donc je pense que ça, c'est important en termes de transparence. Je reviens également sur le processus. Il y a d'autres experts que nous n'avons pas cités qui sont aujourd'hui consultés au moment où nous prenons la décision, avant de prendre la décision. C'est notamment des groupes permanents d'experts
qui réunissent des experts extérieurs, qui réunissent des représentants scientifiques, du monde de la recherche, des anciens exploitants, etc. Donc, sur les sujets les plus sensibles, à l'issue de l'instruction, il y a un groupe permanent d'experts qui est sollicité pour donner un avis qui est rendu public, avant même que nous prenions une décision. Je parlerai d'un exemple qui, je pense, est important. Chacun l'a encore en tête. Lorsque l'ASN a pris la décision, qui était lourde de conséquences, et j'en suis tout à fait conscient, de demander à EDF de réparer les soudures de traversée enceinte de l'EPR, il y avait eu un travail d'expertise en amont. Il y avait eu, dans lequel la direction des équipements sous pression de l'ASN avait joué un rôle majeur, parce que c'était nous qui portions le sujet en tant que compétents dans le domaine des équipements sous pression du circuit primaire principal, enfin de la chaudière nucléaire, pardon. Bien évidemment, en étroite relation avec l'IRSN, il y avait une présentation au groupe permanent distinct de tout cela sur les équipements sous pression, et l'avis avait été rendu public, qui était un avis qui disait, je le résume, la situation est telle que la clause d'exclusion de rupture, qui était l'élément fondamental qui permettait de justifier d'une certaine manière, on accepte la conception qui avait été faite par EDF, cette clause ne pouvait pas être maintenue compte tenu des déficiences, des défauts qui avaient été découverts au moment de la construction. Donc, il y a bien eu un avis extérieur, et cet avis extérieur restera, et il sera public en termes de transparence, c'est important. Donc, je dis qu'il faut faire attention de ne pas être trop schématique, de ne pas considérer qu'il y a d'un côté une instruction et de l'autre côté une décision, que les gens ne se parlent pas, ne sont pas en contact avec les exploitants, ils ne prennent pas d'avis extérieur, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et en termes de transparence, je rappelle que nous publions toutes les lettres de suite d'inspection. Il y a déjà beaucoup de situations de transparence, d'actes de transparence. Ça sera maintenu. À la limite, on peut le mettre dans la loi pour que ça soit quelque chose d'inscrit en dur, puisqu'aujourd'hui, c'est une pratique qui ne résulte d'aucune décision réglementaire ou législative. Moi, je pense que... Voilà. Moi, je crois que si, bien évidemment, le processus se poursuit, et je pense que c'est important qu'il le soit, je pense qu'il ne faut pas... il y aura des choses à inventer, d'une certaine manière, mais les meilleures choses, de part et d'autre, on les conservera. Il faudra les conserver. Je terminerai sur le sujet qui est finalement celui d'avantage qui serait, de mon point de vue, tout à fait perceptible de la mise en place d'une telle organisation. Tout d'abord, il y a une situation qui est à laquelle j'attache énormément d'importance, c'est celle de la capacité globale à appuyer le gouvernement en situation d'urgence. Aujourd'hui, nous avons un système qui est, d'une certaine manière, fractionné. L'expertise IRSN en matière de gestion des situations de crise, d'outils à la prévision, est reconnue mondialement. La SN a également, bien évidemment, un centre de crise. En situation de crise, aujourd'hui, le système, tel qu'il est prévu, l'IRSN établit, au vu des informations dont elle dispose et du dialogue avec l'exploitant, un diagnostic de la situation et se projette sur les événements, ce qui pourrait se produire à l'avenir. Le résultat de cette expertise est donné à l'ASN. Et l'ASN est en contact avec le gouvernement pour proposer des recommandations en matière de gestion de crise. Ce système n'est pas réaliste. En situation de crise, il faut aller plus vite. Il faut que les équipes soient totalement intégrées. Le fait d'avoir un système nouveau, de mon point de vue, permettrait de répondre à cette situation, d'avoir une approche mieux intégrée de la gestion des situations de crise. Voilà ce que je voulais dire en premier. Est-ce que, oui, peut-être d'autres intervenants qui voulaient... la question de M. Oui. Davy sur... Allez-y, je vous en prie, M. Niel. Sur le personnel, je voulais en profiter, parce que vous me donnez la parole, pour rappeler que l'obsession des gens de l'Institut, c'est la sûreté nucléaire, la radioprotection. C'est vraiment leur mission. C'est des gens de mission, en fait. Concernant les personnels, la lettre de mission indique évidemment que dans le processus de mise en œuvre, leurs conditions de travail, leurs rémunérations seront maintenues. Et en tant que dirigeant de l'établissement, ce sera évidemment une de mes préoccupations majeures. Une évolution de ce type, c'est évident que c'est majeur. Bien évidemment,
tout simplement pour les personnes, parce qu'il n'y a pas raison qu'elles soient maltraitées, mais plus fondamentalement encore, parce que il faut avoir le maintien des compétences, et donc il faut qu'on reste attractif et qu'on continue à fidéliser les gens. Voilà. Monsieur Salah, oui, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre à la question de Monsieur le député Loussel sur la durée de vie du parc long terme et les 80 ans. Alors, d'abord, le processus d'évaluation de la durée de vie des réacteurs reste le même, avec des réévaluations tous les 10 ans et des décisions qui sont prises tous les 10 ans pour une poursuite de l'augmentation de la durée de vie du parc par période de 10 ans. Donc, aucune évolution à ce propos. Qu'est-ce qui nous fait regarder de façon plus proche ce sujet, serait-il possible d'amener des réacteurs à 80 ans? C'est tout simplement le retour d'expérience de l'international. Comme vous savez sans doute, nos collègues américains ont un parc nucléaire qui est grosso modo une dizaine d'années plus âgé que le nôtre. Et d'ores et déjà, aux États-Unis, plusieurs réacteurs ont obtenu donc une licence d'exploitation de ces réacteurs, certains de ces réacteurs, donc jusqu'à 80 ans. Donc nous nous interrogeons de notre côté pour est-ce que ce genre de choses pourrait être aussi applicable chez nous. Donc ça nécessite en fait une instruction technique détaillée, sophistiquée et qui prendra du temps de façon à examiner à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, chacun des composants sensibles de ces réacteurs et de pouvoir faire un diagnostic technique de notre part sur ces composants et bien sûr avoir le point de vue et la décision de l'autorité de sûreté finale sur est-ce que c'est vraiment possible ou pas. Donc il nous faut anticiper ce processus d'analyse, ce processus d'instruction, et c'est pour ça que nous regardons aujourd'hui, dès aujourd'hui, cette démarche de très près. Bien, il y a d'autres questions. Je vais laisser la parole à Delphine Bateau qui nous fait l'honneur de visiter notre office ce matin. Ben d'abord, merci Monsieur le Président et le Premier Vice-Président de m'accueillir à l'OPEX. Je crois qu'il n'y a pas de hasard à ce que plusieurs ministres, le Parlement, la Cour des comptes, le Haut Comité à la transparence et l'ANCLI aient refusé à plusieurs reprises de s'engager sur la voie de cette réforme. S'y ajoute le fait que on ne réforme pas à la hussarde la sûreté nucléaire par un cavalier législatif et que ça, c'est totalement contraire à l'intérêt national et à l'intérêt de la sûreté. J'ai trois questions. La première, je cherche à comprendre exactement le schéma de cette réforme et en fait, lorsque l'on vous écoute les uns et les autres, on a l'impression qu'il y a un concept, une idée, mais que rien n'est établi et rien n'est bordé sur comment ça fonctionnerait exactement. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous inspire, en particulier du point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire, lorsque les opérateurs contrôlés mettent en avant le fait que cette réforme pourrait contribuer à une simplification des procédures. Je cite des propos qui ont été tenus il y a quelques instants. Et ma troisième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la sûreté elle-même et pour la confiance qui est portée en elle de briser en fait le consensus politique qui s'est produit chaque fois qu'il a été question pour l'Assemblée nationale et le Sénat d'adopter des lois relatives à la sûreté nucléaire. Autrement dit, est-ce que glisser cette réforme par amendement dans une loi dont le titre est « Accélération de la relance du nucléaire » n'est pas le pire cadeau empoisonné pour la confiance dans la sûreté nucléaire en France ? J'ai également Philippe Bollot qui souhaite prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et vos propos qui nous permettent de nous éclairer sur ce sujet qui va nous occuper dans les semaines à venir. Les objectifs et les missions de l'IRSN et de l'ASN sont parfaitement, vous les avez définis évidemment, mais ils sont parfaitement précisés dans la loi de 2006 relative à la transparence et à la sûreté nucléaire pour l'ASN et dans le décret du 10 mars 2016 pour l'IRSN. Pour faire simple, mais vous l'avez dit, l'IRSN, c'est la mission d'expertise et de recherche, et l'ASN est consultée sur les projets de décision
administrative de nature réglementaire. Là, évidemment, je fais court, ça va bien au-delà, mais ça permet au moins de bien fixer les idées. Et ce schéma-là permet de porter un certain nombre de valeurs que vous avez citées, qui me paraissent particulièrement importantes de rappeler, celle de l'indépendance et de la neutralité de l'expertise et de la recherche vis-à-vis de la décision, celle de la confiance vis-à-vis dans la technologie nucléaire, c'est une valeur créée, et celle de la garantie en termes d'excellence de la sûreté nucléaire française. Le modèle, avec la réorganisation qui se profile, est interrogé, notamment du point de vue de ses compétences, et vous l'avez dit, Monsieur Niel, des compétences qui ont été construites sur le long terme, des compétences transversales qui touchent le domaine au-delà du nucléaire, de l'environnement, de la santé, du domaine médical. Et cette transversalité est absolument importante pour une approche globale des sujets du nucléaire et des rayonnements ionisants. Avec ce qui nous dessine face à nous, nous avons le risque de perte de ces compétences, le risque de délitement des activités internationales de l'IRSN, avec des conséquences qui sont la disparition des compétences. Et on voit combien la disparition des compétences peut être dramatique sur les sujets du nucléaire. C'est ce qu'on a vu avec l'EPR, c'est ce qu'on a vu aussi avec les soudures liées à la corrosion sous contrainte. Et tout ça allant à l'inverse des valeurs créées, avec une perte de confiance. Donc moi, je m'interroge sur les prétextes et les motivations qui motivent cette réorganisation. Un premier signal faible était apparu lors de précédents PLF au motif d'économie. Je ne pense pas, comme vous sans doute, que les économies sur les sujets de la sûreté nucléaire et de la radioprotection soient très pertinentes. Et aujourd'hui, on nous avance aussi un autre prétexte, une autre motivation qui serait celle de la fluidité et de l'accélération des procédures. Et les propos de Delphine Bateau étaient très précis sur ce sujet-là. Et moi, je voudrais avoir une question très simple. S'il s'agit vraiment d'un problème de fluidité et d'accélération des procédures, selon vous, quelles seraient les choses à entreprendre pour accélérer, pour fluidifier les procédures? Quels seraient les verrous à lever? Bon, je vois que les parlementaires sont raccord, notamment avec les questions aux internautes, puisque voilà, on a vraiment ces questions qui sont similaires. Je laisse maintenant la parole à Christine Harrier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous comprendrez qu'en tant qu'écologiste, j'aurais préféré ne pas participer à cette réunion, puisque nous ne sommes pas favorables ni au nucléaire civil, ni au nucléaire militaire. Et à la fois pour la question du risque, qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui, mais également par rapport à la question des déchets, dont on parle si peu quand on parle de nucléaire. Je suis venue ici avec les mêmes questions que Gérard Le Seul du pourquoi, et je me suis dit que finalement je trouverais des réponses dans cette noble assemblée. Et en réalité, je n'ai trouvé de réponse à aucune de mes questions et du pourquoi cette réforme. Alors, je n'ai trouvé aucune réponse, et d'une partie de la salle, j'ai entendu qu'effectivement, des termes tels que « il ne nous revient pas d'émettre un avis sur cette nouvelle organisation envisagée et nous nous mettrons en ordre de marche », d'autres indiquant qu'en effet, sur ce dispositif, il pouvait y avoir des interrogations. Le nouveau dispositif pouvait y avoir des interrogations, mais sans nous dire en réalité quelles interrogations. Et d'autres nous expliquant qu'en effet, il n'y avait pas de littérature sur cette question, pouvant émettre des critiques sur le modèle actuel, nous permettant de construire éventuellement, sur la base de ces critiques, si elles avaient été à la fois élaboré et officialisé, nous permettre d'émettre un nouveau modèle, une nouvelle proposition sur la base de la critique du modèle et sur la base d'un benchmark qui aurait pu être fait sur des organisations qui existent précédemment dans d'autres pays. Alors moi, je suis frappée de l'absence de ces réponses. Je suis frappée de la précipitation avec laquelle les parlementaires sont reconduits dans le cadre de ce projet de loi à se positionner en l'absence de ces réponses sur ce nouveau modèle. Je suis étonnée également de la plaidoirie pro-domo de l'ASN, parlant comme si la décision était quasiment prise, en parlant au futur, mais malgré tout, comme si la décision était prise, qui est assez malaisante, je vais vous dire, pour la représentation nationale que nous sommes, parce qu'au bout du compte, on a l'impression que c'est presque déjà fait. Presque déjà fait sans avoir de réponse, ça me paraît être un vrai problème. Et le seul argument que vous avez évoqué, monsieur, c'est de dire, finalement, l'organisation, et c'est le seul que j'ai entendu qui puisse être analysé, c'est en réalité l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas pertinente et n'est pas efficace en cas de situation de crise.
Ce qui veut dire que sans situation de crise, manifestement, cela a l'air de convenir, mais on peut envisager une situation de crise, ce qui ne fait que confirmer ce que nous pensons, c'est que le nucléaire, c'est une énergie qui doit être gérée avec l'idée d'une crise. Et donc, quelle est la crise que vous envisagez qui nécessiterait une réforme rapprochant vos deux structures? Et à ce titre-là, des crises, nous avons beaucoup d'idées ce que peut y avoir de crise. Le déficit d'eau en particulier, ça c'est une crise. Les difficultés que l'on peut avoir dans la construction d'un EPR, c'est une crise. Et également, ultérieurement, le démantèlement d'une centrale nucléaire, qui est aussi une crise, puisqu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Donc, aucune réponse. Et franchement, j'aimerais bien être éclairée. Et nous aimerions bien être mieux éclairés que nous ne le sommes aujourd'hui. Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Et merci à tous les intervenants de nous consacrer du temps pour nous permettre d'être un peu mieux éclairés sur ce qui est cette nouvelle qui nous est parvenue. Et d'abord, je voudrais dire, puisque le projet de loi accélération sur l'énergie nucléaire, nous l'avons eu au Sénat, et donc nous n'avons pas eu cet amendement. Donc ce cavalier, et qui est par rapport au Parlement, je trouve très cavalier, quelque part, de ne pas nous avoir soumis à nous, les sénateurs, cet amendement sur cette éventuelle fusion. Et je voudrais rappeler, puisque ça a déjà été fait, cette historique de la confiance qui s'est construite sur le nucléaire et qui percute très concrètement, là, aujourd'hui, ce développement prévu de 6 plus 8 plus éventuellement encore plus de réacteurs nucléaires. Je voudrais rappeler que le nucléaire est très particulier, que c'est un sujet qui ne se compare à aucun autre, que nous avons en France un système de sûreté nucléaire à nul autre pareil, je pense, et que nous pouvons être heureux du fait que nous n'avons pas eu d'accident nucléaire, ce qui est arrivé dans d'autres pays. Donc, alors que nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde, je vais le dire comme cela. Donc voilà, on a une vigilance toute particulière. Et notamment, moi je l'ai dit en intervention au Sénat déjà plusieurs fois, merci à EDF et à notre système de sûreté nucléaire de ne pas avoir connu ce qu'ont connu d'autres pays. Voilà, je voudrais juste rappeler ça, parce que c'est la spécificité de cette production particulière d'électricité. Pour moi, je le rappelle comme d'autres collègues, le système de sûreté nucléaire a prouvé son efficacité par le fait que nous n'ayons pas eu d'accident majeur, et ça n'est pas une petite chose, déjà. Je voudrais rappeler que, effectivement, nous avons une forme de transparence avec notamment le lien essentiel qui a été établi avec les citoyens, ce que je salue de la part du IRSN. Et je me demande, comme d'autres parlementaires, qu'est-ce qui a failli? Pourquoi est-ce qu'on remet en cause ce système de sûreté nucléaire? Est-ce que c'est trop coûteux? Est-ce que l'actualité du prolongement des centrales fait qu'il faudrait aller plus vite et peut-être être moins regardant? Enfin, je ne sais pas, ce sont des questions que je pose, être moins regardant. Voilà, j'ai, comme les autres parlementaires, le questionnement à ce sujet-là. Je ne comprends pas. Et dites-moi peut-être, dans la nouvelle organisation, alors j'ai compris, vous avez mentionné, Monsieur de Rozuc, l'approche mieux intégrée. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, voilà, peut-être, pour mieux nous éclairer? Merci. Maud Bréjon. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à toutes et tous de prendre le temps ce matin de venir répondre aux questions de l'OPEXT. Je parlerai ici, bien sûr, en tant que membre de cet office, mais aussi en tant que rapporteur du projet de loi pour l'accélération qui va arriver à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir. Commencez par dire que, pour ma part, et ce n'est pas un secret, je suis extrêmement attachée à cette industrie et je fais, contrairement à ma collègue, plutôt partie de ceux qui sont pro-nucléaires. En revanche, comme tous les parlementaires ici présents, je suis extrêmement attachée à la sûreté du fait de mon parcours et je considère qu'on ne badine pas
avec la sûreté nucléaire. On ne peut faire aucun compromis sur ce sujet-là. Et par rapport à ce que j'ai pu entendre, certes, les choses peuvent apparaître peut-être comme actées quand on lit la presse ici ou là, mais le Parlement est bien souverain, l'Assemblée nationale l'est aussi, et c'est aux députés, aux sénateurs et à eux seuls qu'il reviendra d'acter ou pas dans le projet de loi une telle modification. C'est un projet de loi, et ça a largement été dit, qui vise à simplifier, à accélérer les procédures. Et donc, en tant que rapporteur, ma question est extrêmement simple. En quoi, d'une manière ou d'une autre, le changement d'organisation pourrait, dans les années à venir, permettre de rationaliser, d'accélérer et de simplifier les procédures en lien avec la construction d'un éventuel futur programme EPR2 ? Je vous remercie. Enfin, je laisse la parole à Gérard Longuet. Oui, merci, cher président. Je souhaite en effet à cet instant intervenir et poser une question à M. Bernard de Rozuc et à tous ceux qui voudront bien y répondre. Je voudrais d'abord en effet remercier les uns et les autres extérieurs au Parlement du temps qu'ils nous consacrent. Mais c'est votre métier, c'est votre passion, c'est votre histoire et je comprends que vous ayez envie depuis le président de l'ANCLI jusqu'au au responsable de la recherche de l'EDF, je crois, et naturellement au patron de l'IRSN et de l'ASN. Je ne parlerai pas de François Jacques, que je connais depuis toujours, depuis qu'il a présidé l'ANDRA. Donc vraiment, on a affaire à des gens sérieux. Et d'ailleurs, je constate, ce qui est plutôt sympathique, c'est que les parlementaires le sont tout autant. Et qu'il y a des prises de position et des convictions différentes, mais je dois retrouver une image du Parlement telle que je l'aime et telle que je le fréquente depuis 45 ans, ce qui est quand même un petit peu long, si vous me permettez. Mais heureusement, j'arrête. Je me tourne vers Bernard Dozé parce qu'on partage tous cette nécessité absolue de sécurité et je souscris totalement à l'attitude de mon excellente collègue Maud Bréjon, sur le respect du Parlement et le respect des procédures. Il n'est jamais inutile, sur des sujets aussi importants, de prendre un petit peu de temps. Ministre, je les connais, ils veulent toujours aller vite, mais c'est jamais inutile de perdre un peu de temps pour parler. Et la question que je voulais vous poser est la suivante. En avril 1975, je n'étais pas encore député, mais j'étais déjà commissaire du gouvernement. Et j'ai assisté à un débat intéressant où le ministre de l'Industrie en charge de la mise en œuvre du programme Messmer, mais c'était Giscard président, répondait au Parlement. Il répondait au Parlement en disant, ben voilà, la loi, c'est la grande stratégie sur l'indépendance énergétique de la France, dont le nucléaire est un atout essentiel. La mise en œuvre, c'est le gouvernement. Ce que le Parlement a conquis, et c'est une excellente mesure pour l'opinion française et pour l'acceptation par l'opinion française du programme électronucléaire, c'est que les questions de sécurité sortent de la confidentialité, sortent de l'entre-soi et deviennent, à travers les lois de 2006 en particulier, des enjeux nationaux. Donc, la stratégie, nous aurons à en débattre à travers la PPE. On l'a accélérée un petit peu en taquinant le gouvernement à l'occasion de l'examen par le Sénat du texte sur l'accélération, puisque nous avons bâti notre propre PPE. Mais enfin, je sais bien que l'Assemblée le regardera à sa façon et c'est bien normal. Ce qui me gêne, mon cher Claude, dans ton objectif dual, c'est qu'en réalité, on est beaucoup plus que deux. Et qu'on le veuille ou non, on est beaucoup plus nombreux et il faut assurer une coordination. L'idée d'un collège, avec la compétence et de la sagesse, d'une expertise, c'est formidable. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a un acteur auquel je voudrais rendre hommage, c'est EDF, non pas à cause d'EDF, mais parce que vous exploitez depuis 50 ans, 58 réacteurs, 56 aujourd'hui, c'est des millions d'heures de fonctionnement et on ne peut pas imaginer que cette compétence soit extérieure au débat. Vous l'avez évoqué d'ailleurs. On ne peut pas imaginer que celui qui fait et qui fait bien
soit obligé de se taire en disant non, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une autorisation, je laisse la parole à des sages, le collège, à des experts, mais qui ne sont pas les mains dans le cambouis et qui ne gèrent pas le fonctionnement des alternateurs en permanence. Donc il y a déjà l'opérateur. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Mais en réalité, il y en aura plusieurs dans l'avenir. Parce que, en effet, l'ouverture scientifique nous conduit à penser, et il y a d'ailleurs déjà le projet New World, il y aura des projets de réacteurs différents, nous aurons d'autres acteurs nationaux, européens ou internationaux. Ces gens-là ont de l'expérience. On n'imagine pas que vous ne bénéficiez pas, que le Collège des Sages ne bénéficie pas de cette compétence acquise par l'expérience continue ou par des innovations et des recherches extérieures. Mais pourquoi la France se priverait-elle de recherches qui sont faites à l'extérieur, dans des pays aussi différents que la Russie ou que les États-Unis? Bon, donc on a un besoin d'informations internationales qui interdit cette idée d'un système un petit peu replié sur lui-même. Il faut faire converger des informations qui doivent être opérationnelles et qui doivent commander la décision pour que la France ne soit pas isolée. Vous avez dit, c'est M. Delalonde, mais je partage complètement son point de vue, c'est que l'opinion, les citoyens attentifs sont devenus compétents, pour beaucoup d'entre eux, pas tous. Certains sont passionnés. D'autres sont même partisans. Il y en a d'autres qui sont partisans passionnés et qui apportent une compétence. Et je vois dans le débat de CIGEO, puisque c'est une affaire que je suis depuis 30 ans, il y a des questions qui n'ont été à l'ordre du jour que parce que des gens passionnés et compétents ont interrogé des experts et ont posé aux experts des questions auxquelles les experts n'avaient pas vraiment songé à ce moment-là. Donc nous avons un système qui est complètement ouvert. Et c'est parce que le système est complètement ouvert, je le pense profondément, qu'il doit y avoir un lieu de fédération de toutes ces informations. Parce que sinon, on va avoir un système où on est deux aujourd'hui, c'est la loi de 2006, alors avec le collège, l'ASN qui a quand même son expertise, on a l'expertise qui n'a pas son collège, donc celui qui a le collège parle et celui qui n'a pas de collège ne parle pas. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, tout le monde parle. Et en dehors de ces deux qui parlent et qui sont définis par la loi, vous avez les exploitants qui commencent à dire, attendez, compte tenu des enjeux, il ne faudrait quand même pas négliger le fait que nous avons des milliers d'heures sur un réacteur, que nous avons connu ces difficultés, qu'on les a réglées de telle façon. Et à ce moment-là, le constructeur ou votre sous-traitant de premier rang ou deuxième rang va dire, mais oui, mais nous, dans l'autre pays, on l'a fait. Et donc, vous devriez en tenir compte, ce qui s'est fait en Angleterre, par exemple. Bon. Ça veut dire que l'autorité de sûreté nucléaire doit être fédératrice. Et elle doit être fédératrice de toutes les informations utiles à la sécurité nucléaire. Bon, moi, on ne m'a pas demandé mon avis pour ce texte de loi. Vous savez que je n'appartiens pas vraiment à la majorité gouvernementale. Mais je me dis que ce n'est quand même pas complètement idiot de réfléchir, non pas à ce que nous avons fait, qui est bien fait et qui est satisfaisant, mais à ce qui va se passer dans un monde où le nucléaire va être beaucoup plus dispersé, réparti, où il y aura des interactions entre les uns et les autres. Et si nous n'avons pas quelque chose d'un peu fédérateur, vous aurez l'expert de l'expert de l'expert qui dira, mais non, attendez, le collège doit attendre son expertise, qui elle-même attend une autre expertise. Enfin, et tout cela sera conflictuel avec l'arbitrage des réseaux sociaux. Eh bien, comme je ne souhaite pas cela, je me dis que ce n'est pas complètement idiot de se poser à la question de la fédération des informations et de la décision, non pas du tout pour sanctionner les uns ou sanctionner les autres ou glorifier les uns et les autres, mais parce qu'on a un monde d'informations qui est complètement différent. Et comme nous avons la volonté de décarboner et que le nucléaire reste quand même la façon... Je suis d'accord, ma chère collègue Arrigui... partage pas les mêmes convictions, ben, nous a quittés. Elle revient, très bien. Bon, on n'est pas obligé de partager les mêmes convictions. Je respecte Mme Delphine Bateau, qui a des convictions constantes et continues. J'ai des convictions également constantes, qui ne sont pas d'ailleurs continues, parce que de temps en temps, j'évolue.
Mais je me dis que là, il y a un monde ouvert, il faut un outil ouvert sur ce monde. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une belle mission. Alors, est-ce que le gouvernement vous donne des ordres? Non, il vous donne une mission, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais nous, ça nous intéresse, lorsque vous serez un petit peu plus avancé, de savoir où vous en arrivez dans cette situation où on a quand même besoin de s'écouter les uns et les autres. Le monde est unique et le danger climatique est unique. Et la décarbonation, je pense profondément, repose sur l'électricité non carbonée, dont le renouvelable et dont le nucléaire. Non, on ne va pas entretenir un dialogue particulier avec Gérard, mais je ne pense pas que ce soit ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit que la sûreté nucléaire se nourrissait de la confrontation des idées entre l'autorité de sûreté, l'appui technique qui est l'IRSN et les exploitants. Mais ils vont les appuyer. Et ce qui me paraît le plus dangereux, c'est la séparation de la recherche. Parce que s'il n'y a pas de recherche, ce n'est pas possible que la sûreté nucléaire puisse progresser. Moi, je me souviens d'une conversation avec André-Claude Lacoste qui me disait « La recherche, c'est ce qui nous a permis de progresser. » Il y a des choses que l'autorité de sûreté, qui ne s'appelait pas encore l'autorité de sûreté, qui s'appelait la DECIN, a accepté il y a 10 ans qu'elle n'accepterait plus aujourd'hui parce qu'il y a eu l'apport de la recherche. Et quand on va couper la recherche de l'expertise, là, je crie danger. Moi, je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait une mission. Bien, il y a également, pour compléter, avant de laisser à nouveau la parole aux intervenants, il y a également donc, de très nombreuses questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont été reprises par mes collègues parlementaires. Peut-être une notamment qui sort du lot, qui n'a pas été évoquée, qui concerne notamment les exploitants, sur justement cette question de fluidité et si les échanges permettraient, après réforme, eh bien d'être plus libres. Notamment dans l'expertise intégrée au sein de l'autorité. Voilà, c'est une question également complémentaire. Je laisse peut-être la parole à nouveau au président de l'ASN. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, les parlementaires, de vos questions. Alors, je voudrais tout d'abord lever une ambiguïté. Je ne pense pas m'être placé délibérément dans la situation où la réforme qui est proposée serait adoptée. C'est tout à fait clair que le Parlement est souverain et qu'il devra décider à la fois du type de réforme, du calendrier, si celle-ci est adoptée. Et je n'ai pas d'avis personnel sur le sujet. J'ai simplement essayé de répondre aux questions qui m'étaient posées sur pourquoi, qu'est-ce qui changerait. Donc, forcément, d'une certaine manière, en essayant de répondre, c'est un peu une projection dans un schéma futur. À la fois difficile de répondre aux questions sans le faire. Et je voudrais m'excuser si mes propos ont été mal interprétés. Ce n'est pas le cas. C'est bien évidemment la souveraineté totale du Parlement. Ensuite, je voudrais reprendre un certain nombre de propos. Tout d'abord, dire que je partage tout à fait les propos de Gérard Longuet, qui peut être parti. Très bien. Sur le fait, alors je reviendrai à la fin. Alors peut-être je reprends les questions dans l'ordre. Tout d'abord, où en est-on dans l'élaboration de premières idées, de schémas? On a parlé d'une lettre de mission, d'un calendrier serré. Moi, je pense qu'il faut, bien avoir en tête que l'idée de la ministre, si j'ai bien compris, c'est d'avoir un premier travail d'analyse entre l'IRSN, le CEA et l'ASN, sur si cette orientation a été confirmée, quelles sont les premières étapes qui seraient à franchir et quelles propositions seriez-vous amenés à nous faire. Et la première étape, c'est si le gouvernement décidait, et c'est sa décision, de proposer au Parlement par voie d'amendement une évolution, eh bien, c'est quelles seraient finalement ces modifications législatives. Et nous sommes effectivement en mesure, en y travaillant tous ensemble, de faire des propositions d'amendement. Ensuite, c'est au gouvernement de décider s'il les reprend, il ne les reprend pas, avec quel vecteur législatif, c'est son sujet. Mais ce qui nous a été demandé par la ministre dans la mission, c'est de dire, finalement, réfléchissez à ça. Donc, c'est une première étape.
Ensuite, il ne nous a pas été demandé de faire des propositions qui correspondraient à l'achèvement du processus de réflexion, de dialogue, de concertation qui doit s'instaurer si cette orientation est confirmée. Il nous a été demandé, c'est dans le courrier, de proposer une méthode de travail. Une méthode de travail pour pouvoir arriver à des propositions. Et la méthode de travail, elle est forcément celle de l'écoute, celle de la prise en compte des avis qui sont exprimés ici ou là. Là, il y a un certain nombre d'avis qui sont émis par les parlementaires. Il y aura certainement d'autres moments où d'autres parlementaires pourront émettre des opinions, certainement des auditions. Il y aura aussi, ce matin, nous étions au conseil d'administration de l'IRSN, les administrateurs ont émis également, ont posé des questions, émis des réserves, ont indiqué un certain nombre d'orientations. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour pouvoir proposer une méthode de travail permettant de déboucher, le moment venu, vers des propositions concrètes. Il n'y a pas de schéma préétabli. Les frontières ne sont pas figées. J'entends beaucoup, même si ce n'est pas ma responsabilité première, la question de la recherche, notamment de la recherche imbriquée avec expertise et la recherche qui est nécessaire pour pouvoir exercer la mission de l'autorité de sûreté. C'est un sujet qui est encore ouvert, qui est ouvert. Il n'y a pas eu de décision prise. C'est un sujet qui nous est demandé d'expertiser en regardant les synergies qu'il doit y avoir entre les uns et les autres. Donc, la lettre de mission, c'est les premières propositions, notamment législatives, si le gouvernement décidait d'aller dans ce sens. Et deuxièmement, une méthode de travail permettant de prendre connaissance de l'ensemble des avis, des problématiques d'avancer sur un projet d'organisation qui viendrait de toute façon forcément dans un deuxième temps et une fois que le Parlement aurait voté la loi. Il ne s'agit pas de le faire en avant. Ou pas. Bien sûr. Non, mais on ne fera pas le travail si la réforme n'est pas engagée, bien évidemment. Et c'est l'acte fondateur, c'est la loi. Je voudrais revenir sur la question de l'accélération, des simplifications, des procédures, enfin, etc., qui a été exprimée à plusieurs reprises. D'abord, c'est un travail que nous menons en permanence. Ce n'est pas parce qu'il y aurait une réforme, si le Parlement le décidait, que l'on changerait et que, pour la première fois, on se poserait la question de la simplification ou la réduction de la complexification. C'est d'ailleurs une ligne que l'on partage tous, à la fois IRSN, les exploitants, sur le fait qu'il y a vraisemblablement eu des décisions qui ont été prises par le passé. Je pense notamment aux obligations faites dans le cadre des réexamens de sûreté qui ont amélioré la sûreté, à l'évidence, puisqu'il y a eu des dispositifs de sûreté supplémentaires qui ont été mis en place, mais qui ont peut-être complexifié la conduite opérationnelle des installations. Et donc, on se pose, nous, déjà aujourd'hui, la question, et on est tous en phase là-dessus, sur le fait de dire, attention, dans les étapes futures de réexamen, voire même dans ce qui a été fait, soyons plus prudents ou regardons de manière plus approfondie les facteurs organisationnels et humains qui peuvent être générés ou qui peuvent être des sources de risques lorsque, au motif réel d'améliorer la sûreté, on complexifie peut-être la conduite. Et voilà un vrai sujet de simplification sur lequel on se pose. Est-ce que c'est pas lié à l'évolution de l'organisation qui pourrait être décidée? C'est un véritable sujet permanent. Et je crois qu'on doit le faire, parce qu'une installation qui est trop complexe, c'est une installation qui présente des risques. Donc le souci permanent de simplifier, d'éviter la complexification, nous devons l'avoir lorsque nous prenons les décisions. Accélérer les procédures, le but n'est pas d'accélérer les procédures, c'est de faire en sorte que, c'est pas la finalité, que si la décision a été prise dans le cadre d'un rapprochement à la fois expertise et instruction, les interfaces qui existent aujourd'hui, qui ont été très bien rappelées d'ailleurs par le vice-président Longuet, monsieur le ministre, c'est que finalement tout ça suppose des échanges, des interfaces avec les uns et avec les autres. Dans une structure plus ramassée, les échanges ne sont pas les mêmes. On peut fluidifier en matière d'échange. Donc, le but, ce n'est pas d'accélérer, c'est d'avoir un système qui soit plus efficient. Et je pense que face aux multiples projets de prise de position que nous aurons dans les années à venir, compte tenu des décisions qui pourraient être prises ou qui ont déjà été prises, mais qui produiront des effets dans les années qui viennent, c'est important qu'on se pose la question. C'est aussi un souci permanent d'avoir une structure qui soit un dispositif global qui soit efficace. Et j'en viens à la remarque du ministre Longuet, c'est qu'effectivement, je crois qu'il a tout à fait raison, l'idée c'est d'avoir un lieu de fédération qui permette d'optimiser ce que nous faisons
en relation avec les autres parties prenantes. Et moi, je suis assez sensible à l'idée qu'il ne faut pas de système qui soit étanche ou fermé. Il faut qu'on soit en dialogue permanent avec les autres. J'ai essayé tout à l'heure dans mon intervention de dire, attention, ne voyez pas l'instruction comme étant, et l'expertise comme étant une étape en vase clos. Non, on est toujours en étroite relation avec l'ensemble de l'écosystème. Et vous avez dit une phrase qui m'a, en tout cas, un élément qui est important, c'est la confrontation des idées. C'est exactement ce qui se passe, monsieur le ministre. Quand nous prenons une décision, nous le faisons en collège, et je peux vous dire que nous ne le faisons pas toujours du premier coup. On n'est pas nécessairement d'accord tous ensemble, les membres du collège, et on pose bien souvent, puisqu'on n'a pas été impliqué dans l'instruction, dans l'expertise, de nombreuses questions qui parfois n'ont pas été soulevées ou prises en compte par les services et qui disent, ah ben oui, tiens, on n'avait pas vu ça. Donc, on leur renvoie leur copie. On leur dit, ça, ce sujet-là, ça ne nous convient pas. Approfondissez, reprenez contact avec l'IRSN, avec les exploitants, approfondissez. Et on est vraiment dans une confrontation des idées et on fait les choses de manière itérative en recherchant le consensus. Donc, la confrontation des idées, elle est là. Et je me souviens très bien de décisions qui ont été prises où, dans le processus d'instruction, on a dit, ben maintenant, on va écouter les exploitants. Ça n'a pas été en chambre uniquement entre nous, les services et l'IRSN. On a fait venir les exploitants et on fait de nombreuses réunions avec l'IRSN et avec les exploitants sur toute une série de sujets. On a parlé là de la poursuite d'exploitation des réacteurs au prolongement de fonctionnement de la 50 ans, voire au-delà de 60 ans. On a un travail régulier tous ensemble avec l'exploitant sur ce sujet. De la même manière qu'on travaille avec les exploitants nucléaires sur tous les sujets qui aujourd'hui nous préoccupent en matière de cycle du combustible, avec les risques de saturation, etc. On travaille tous ensemble. Donc, pardon ? Je dis que être ouvert aux autres, confronter les idées, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne. Et je rassure. Vous êtes obligé de systématiser parce que. Voilà. La France investit sur un SMR. Tout le monde parle de SMR. New World est un projet intéressant. S'il n'est pas sécurisé au plan national, mais surtout sécurisé au plan international, il n'aura aucun avenir commercial. Donc voilà, nous avons besoin d'avoir une autorité de sûreté qui soit capable d'aider nos industriels, qu'ils soient des ensembliers ou des équipementiers, à passer l'étape internationale. Sinon, on ne leur rend pas service. On ne leur rend pas service et on se prive de possibilités. Alors, pardon, mais à ma connaissance, les coopérations internationales de l'ASN sont extrêmement nombreuses et sa crédibilité à l'échelle internationale est forte. Donc, j'aimerais comprendre, si je prolonge ce que dit le premier vice-président, j'aimerais comprendre le rapport, en fait. Parce que, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de problématique de crédibilité internationale de l'ASN ou de l'IRSN ou d'incapacité dans le cadre du modèle actuel, ni à certifier des réacteurs, ni à échanger avec un certain... et même à apporter de l'expertise dans le cadre des revues par les pairs, etc., et notamment de tout le poste Fukushima. Donc si je peux me permettre, si vous pouvez aussi revenir sur ce que vous avez dit sur la gestion de crise pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui rendrait nécessaire, en fait, une évolution du schéma actuel. Alors, je reviens effectivement sur la gestion de crise, parce que c'est un exemple que j'ai cité. Hein, ça ne se réduit pas à ça. Mais un des exemples de synergie, en tout cas de fonctionnement, qui me semblerait plus fluide et amélioré, c'est la situation de crise. Et j'ai décrit le système actuel. Le système actuel où il est finalement séquencé. Il y a une analyse de la situation par l'IRSN en liaison avec l'exploitant. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour faire des prévisions sur des projections en cas d'aggravation et de conséquences de la situation de crise. Ça, c'est la mission de l'IRSN. Et ensuite, il est aujourd'hui dans l'organisation qui est prévue. Le résultat de cette analyse est fourni à l'autorité de sûreté nucléaire, qui a la responsabilité, de par la loi, de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre. Donc on est dans un système qui est séquencé, avec des équipes qui sont bien structurées, qui ont l'habitude de fonctionner dans des exercices de crise où on simule la situation. Et ce dont on
ce que l'on dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, ça introduit des interfaces qui ne sont pas optimum dans le cadre d'une situation réelle. Donc ce que je dis, c'est s'il y avait, et c'est un seul exemple, une organisation avec une seule cellule de crise, avec une même entité qui est responsable de la totalité de la mission, ça permet d'être plus efficace dans la mission d'appui au gouvernement. Je reviens sur l'international. Vous avez raison, tant l'ASN que l'IRSN ont une reconnaissance internationale qui est extrêmement forte, extrêmement forte. Et ça, c'est résulte d'actions de nos prédécesseurs depuis de très nombreuses années. Chacun est d'une certaine manière reconnu dans son cercle de compétences, l'ASN vis-à-vis des autres autorités, que l'IRSN d'ailleurs rencontre également. L'IRSN a aussi des relations avec les autres autorités, et nous avec les autorités des pays étrangers, et parfois avec les experts techniques des pays étrangers. Donc en fait, chacun d'entre nous a des relations, et de manière disjointe, avec des autorités étrangères et des experts étrangers. Nous sommes une équipe globale qui avons l'avantage de bénéficier d'une expérience assez hors norme dans le monde nucléaire. Elle est liée au parc nucléaire, au fait qu'il est standardisé et qu'il y a beaucoup d'années de retour d'expérience pour un parc standardisé. Elle est liée au fait que nous maîtrisons en France la totalité de la chaîne du combustible, à la fois amont et aval. Elle est liée aussi en France au fait qu'en France, nous avons une politique exemplaire en matière de planification sur la problématique des déchets. Il y a bien sûr des questions qui se posent, il y a des controverses. Mais par rapport aux pays étrangers, nous sommes en avance. Et on nous le dit d'ailleurs, quand nous avons eu récemment la convention commune à l'AIEA, où on a présenté la politique française en matière de gestion des déchets, et il y a eu une bonne pratique de nos pairs liée au fait que nous avons un système participatif, puisqu'il y a eu un débat public sur le 5e PNGMDR, ce qui ne se fait nulle part ailleurs dans le monde. Parfois, il n'y a pas de plan, et bien évidemment, il n'y a pas d'association du public. Donc, nous n'avons absolument pas à rougir de ce que nous faisons, et nos pratiques sont largement reconnues à l'international. Voilà, donc je pense que par rapport au sujet à venir, je pense qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'était récemment l'esprit du ministre Longuet, c'est que le réchauffement climatique, l'orientation mondiale de la réorientation des sources de production électrique d'origine fossile vers d'autres types de production va conduire à un nombre, en tout cas c'est aujourd'hui ce qui se dit, à un nombre important de pays, une quarantaine de pays qui ne sont pas nucléarisés, à s'ouvrir au nucléaire. Et je pense que un moyen de faire en sorte que le niveau de sûreté de ce futur nucléaire dans ces pays qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas, en général, d'infrastructures de contrôle, qui n'ont pas d'autorité, soit au bon niveau, c'est que nous puissions, nous aussi, et c'est ce que nous avons, on a des contrats de coopération, leur fournir une assistance sur le contrôle, en leur disant, ben voilà, une organisation d'expertise et de contrôle en sûreté, ça doit passer par telle ou telle étape, ça doit se structurer de telle ou telle manière. Il peut très bien y avoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la responsabilité qui est la nôtre. Ce n'est pas de la promotion à l'export du nucléaire français, c'est de dire, nous, on est capable d'aider des pays et des autorités qui, découvrant pour la première fois les activations nucléaires, pourraient bénéficier de notre expérience. Alors, si la réforme était décidée, je pense que c'est aussi un point positif qui pourrait se venir. Voilà, je suis désolé. Oui. Juste pour peut-être les représentants de l'EF qui voulaient intervenir. Oui, peut-être pour dire un mot sur les questions qui ont été posées sur le mot fluidité et instruction technique. Je crois que ça a été dit. Il faut que vous réalisiez en fait le volume d'activité que les équipes EDF donc consacrent à l'exploitation des réacteurs et aux analyses de sûreté en particulier. Donc nous avons plusieurs milliers en fait d'ingénieurs qui travaillent aujourd'hui sur ces dossiers, et l'instruction donc avec l'autorité de sûreté, elle se fait dans un dialogue technique constant. Donc ce dialogue, il est constant à la fois, je dirais, en direct avec l'ASN dans le cas des appareils sous pression, ça a été évoqué par le président d'Euroduc tout à l'heure, où là nous avons vraiment des échanges avec de l'expertise technique qui est embarquée complètement dans les structures de l'autorité de sûreté dans sa forme actuelle, avec des échanges extrêmement pointus et avec de l'expertise de très très haut niveau qui existe des deux côtés.
les experts de l'ASN en matière de matériaux n'ont rien à envier aux experts, alors permettez-moi de dire d'EDF, mais aussi de toute l'industrie française, métallurgique française, voire internationale. Donc on a là déjà un dialogue d'experts de premier plan entre des gens de l'ASN et des gens d'EDF. Nous avons aussi, avec les collègues de l'IRSN, des dialogues extrêmement pointus sur d'autres sujets de l'instruction de sûreté. Et là, par contre, le dialogue, il est à trois. Et donc, la complexité, c'est évidemment plus compliqué de parler à trois que lorsqu'on est à deux. Simplement parce qu'il y a des itérations, parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent et parce qu'il y a des choses qui peuvent intervenir dans un processus relativement long. C'est une simplicité, enfin, c'est une, me semble-t-il, une évidence. Et sachant que nous avons des niveaux d'expertise des deux côtés ou des trois côtés en la matière qui sont très importants. Il y a un point de rapprochement qui se fait sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment le groupe permanent expert. Donc le groupe permanent des experts, c'est en fait une instance qui réunit à la fois des représentants de l'ASN, de l'IRSN, de la société civile et des personnes qui sont des anciens de l'industrie, y compris des anciens exploitants. Cette instance, en fait, permet d'avoir de vrais débats et de mettre sur la table au niveau des experts, donc dans le fond vraiment des affaires, mais aussi sophistiquées qu'elles soient, un vrai dialogue technique. Donc nous sommes vraiment très attachés à ce que, quelle que soit l'organisation que vous déciderez, que en fait ce dialogue se poursuive, qu'il puisse être même encore mieux ordonnancé dans la nomination des experts qui y participent, hein, sous la direction et sous le pilotage de l'autorité de sûreté, sur les dossiers également qui peuvent y être présentés, à la fois de l'IRSN aujourd'hui et d'EDF, et avec une concomitance de présentation. On souhaite vraiment que ce dialogue puisse se poursuivre. Sur qu'est-ce que ça veut dire la fluidité? Est-ce que c'est une simplification? En fait, la fluidité, c'est faciliter ce dialogue, mais c'est aussi être capable d'utiliser les meilleures techniques disponibles. Je crois qu'il faut vraiment le répéter, même si on a une flotte de 56 réacteurs, nous avons fait progresser la sûreté de nos réacteurs au cours du temps. Ce que nous faisons aujourd'hui avec les quatrièmes décennales de nos réacteurs 900, c'est de les mettre finalement, je dirais quasiment, si vous me permettez, Monsieur de Rozuc, quasiment ou de façon très proche du niveau de sûreté des réacteurs EPR. C'est quand même un sacré défi, un sacré challenge. Et ça nous a amené, nous, exploitants, à prendre en compte des innovations technologiques que nous avons intégrées directement dans les réacteurs. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. Donc en fait, nous voulons aller aux meilleures techniques disponibles, exploitables. Vis-à-vis de la recherche, donc je suis le directeur de la recherche d'EDF, donc j'en parle à l'aise. Le temps de la recherche et le temps de l'exploitation ne sont pas les mêmes. La recherche évolue tout le temps et il ne faut pas la brider. Lorsque nous faisons une modification sur un de nos réacteurs, avant qu'elle touche l'entièreté d'un palier, il faut plus de 10 ans. Donc vous imaginez bien que si on demande à la recherche de s'adapter aussi vite ou aussi lentement que ce que nous faisons dans le déploiement de nos modifications, on n'y arrive pas. Donc il faut, et c'est la recommandation que je me permettais de faire, il faut que l'ASN, quelle que soit l'organisation retenue, ait la maîtrise d'ouvrage de cette recherche. Donc elle en ait le pilotage, qu'elle puisse définir les enjeux, qu'elle puisse décider des moyens, qu'elle puisse décider des acteurs qu'elle sollicite. Au passage, acteurs internes ou externes, n'ayant pas la prétention non plus, nous Français, de penser que d'autres acteurs internationaux seraient moins compétents que nous en termes de recherche et auxquels on ne pourrait pas faire appel. Je signale que beaucoup d'autorités de sûreté étrangères font aussi appel à d'autres acteurs, y compris en dehors de leur territoire, et y compris très différents. Donc je pense qu'il est, extrêmement important que ce processus puisse se faire pour une meilleure sûreté de nos réacteurs. Monsieur Niel. Oui, je voulais faire trois points. Le premier point, je voulais rappeler que le système dual fonctionne aujourd'hui. C'est ce qui a déjà été dit et je crois que Bernard Dorzuc pourra confirmer ça. Le deuxième point, je vais m'arrêter quelques secondes sur le concept de ce qui s'appelle dans le langage international la Technical Safety Organization, les organisations techniques de sûreté, c'est les IRSN. En fait, les conventions internationales indiquent qu'il y a dans chaque pays qui a du nucléaire une autorité de sûreté. Et les conventions internationales indiquent aussi qu'il y a un besoin d'expertise technique.
il y a une grande variété de modèles. En fait, il n'y a pas deux modèles qui se ressemblent. Il y a une grande variété de modèles sur la manière dont cette expertise technique en appui de l'autorité de sûreté, parce que la sûreté nucléaire, ça nécessite, c'est science-based, comme on dit en anglais, c'est basé sur la science technique, on a besoin de compétences. Donc la manière dont cette expertise technique apporte son appui à l'autorité, il y a énormément de modèles. Il y a un document de la UA qui existe, qui répercute ça, qui répercute d'ailleurs les obligations des TSO dans leur organisation. Donc ça, c'est un point très important. Il y a une grande variété de modèles. Il y a le modèle NRC qu'on présente comme intégré, mais il faut quand même noter qu'il y a une quinzaine de pourcents de l'appui technique à la NRC qui est fait dans les laboratoires nationaux, sur un sujet très pointu. Il y a le système français, il y a SNASN. Mais je pense qu'il faut aller au-delà du rattachement organisationnel. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur tout le système. Par exemple, les Japonais qui ont aussi un TSO dans ce qui s'appelle JAEA, c'est-à-dire le CEA japonais avec un certain nombre de Chinese Wall, si je peux me permettre, c'est un organisme japonais pour ces histoires d'indépendance par rapport à l'organisme. Si je prends les Japonais ou la NRC, les réunions du collège sont publiques. Donc la controverse, elle se fait publiquement. Voilà. Donc je pense qu'il faut tout prendre. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur est-ce que cette intégration, ce n'est pas aussi lié. Est-ce que ce n'est pas une manière, d'ailleurs, de garantir cette séparation expertise-décision Et puis, mon dernier point, c'est on voit que ces sujets sont complexes, en fait. Hein, ils résistent mal à la simplification. Et je voulais rappeler qu'IRSN est évidemment tout à fait disponible pour échanger avec la représentation nationale, pour approfondir des sujets comme la crise ou la fabrique de la décision, qui est un objet complexe, avec beaucoup d'interactions technique, mais pas seulement technique, hein, avec les opérateurs au premier chef. C'est le métier quotidien de l'IRSN d'interagir avec les opérateurs. Aujourd'hui, je n'ai pas fait la comptabilité avant de venir, mais je suis sûr qu'il y a plein de réunions entre EDF et les experts de l'Institut et l'ASN. Et puis, il y a aussi d'autres acteurs, hein, la société civile, la représentation nationale. Donc, voilà, donc, on est clairement à votre disposition pour approfondir les sujets qui le mériteraient. Monsieur Jacques. Oui, merci, monsieur le président. En fait, alors, juste pour préciser ce que je vais dire, qui sera peut-être, qui apparaîtra peut-être un peu décalé par rapport au débat, moi je préjuge pas de la bonne forme d'organisation, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je me permets juste de réagir parce qu'il y a eu deux, trois éléments, deux, trois commentaires qui ont été faits sur la recherche, et là, par profession, je me sens quand même un peu obligé de préciser deux, trois choses. La première, c'est ce qui a été dit sur les affaires de conflit d'intérêts. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de la recherche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acquérir des données, hein. Il faut faire des manipulations, il faut faire des expériences, il faut avoir des outils instrumentaux. Bon. Typiquement, l'IRSN procède à ce genre de choses via des instruments. Il y en a un qui s'appelle Cabri, c'est un réacteur qui est sur le centre CEA Cadarache et qui, puisque justement on ne veut pas qu'une entité impliquée dans la sûreté puisse s'auto-évaluer, n'est pas opéré par l'IRSN, mais opéré par le CEA. Autrement dit, aujourd'hui, soyons clairs, le CEA opère une installation expérimentale qui rend des services, enfin, j'imagine, à mon voisin de confirmer, à l'IRSN. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que dès lors qu'il y a une installation expérimentale qui est au CEA, on ne peut pas y faire confiance et puis on peut pas, tout ça va pour faire des choses atroces. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette installation expérimentale-là, qui a connu des problèmes, qui a connu un problème technique ? Donc, il y a eu des réparations qui ont été proposées. Mais qui a fini par expertiser la réparation ? Eh bien, un expert belge. On est allé chercher un expert à l'étranger. Donc, c'est ni l'IRSN, ni qui que ce soit qui a pu expertiser. Donc, s'il s'agissait d'expertiser les installations de recherche du CEA de manière à avoir une indépendance, ben, il faudrait aller chercher ailleurs. Et de toute façon, ce serait ni l'IRSN, ni le CEA, ni qui que ce soit, sur les cas où ce sont des installations qui visent... Donc, je préfère mettre ça sur la table parce que... J'avoue que j'ai été un peu chatouillé d'entendre que, sous prétexte que l'installation était CEA, il se passait potentiellement n'importe quoi. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la recherche. Attendez, moi, au bout du bout, je vais vous dire, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est que la recherche en sûreté. Je connais la recherche, je connais la science, je connais la physique. Je connais la chimie, je connais des domaines, parce que quand on va devoir savoir si la cuve, elle tient, bah, ça va être le comportement de l'acier, ça va être bon, etc. Et donc, je pense que l'acquisition du savoir fondamental, qui se fait dans les règles de la science, qui se fait dans l'ouverture complète, bah, ça, c'est de la recherche. Et alors, excusez-moi, mais elle est dans les universités,
elle est au CEA, elle est au CNRS, et nous travaillons, c'est bien pas pour rien qu'il y a des unités mixtes entre le CEA, le CNRS, l'université, nous travaillons ensemble pour produire ça. Et donc, je ne pense pas qu'il faudrait penser qu'à la fin, il y a une recherche qui est dans l'isolement, qui permet la progression, et puis il y a une autre recherche qui ne servirait à rien. Je suis désolé, la recherche, pardon, avec tout le respect que je dois à mes collègues à droite, leur recherche n'existerait pas s'il n'y avait pas les universités, le CEA, le CNRS. Parce que quand on parle de Qatar, on a parlé tout à l'heure de Qatar, du code, mais où est la compétence principale qui a développé ces codes? Excusez-moi, elle est au CEA. Quand on parle d'un certain nombre de phénomènes physico-chimiques, où elle est dans les universités, elle est au CNRS, etc. Donc je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur la question de la recherche. Il y a une recherche qui est active, qui est vigoureuse et qui, comme le disait Bernard Salat, est internationale. Parce que, on clamerait qu'on est bon, qu'on a des bons résultats tout seul en France, mais on ferait rire tout le monde. Donc c'est bien parce qu'il y a des communautés internationales qui challengent ça. Et donc je voudrais quand même remettre ça à sa place parce que ça me donnait un peu l'impression que finalement la recherche qui était au CEA ne servait à rien ou ne contribuait. Et par rapport à ce que disait Claude Bureau tout à l'heure, évidemment qu'on a fait des progrès sur la recherche, mais on n'a pas fait des progrès sur la recherche parce qu'on a fait de la recherche en sûreté, on a fait des progrès parce qu'on a fait de la recherche, on a fait de la science. Pardon de le dire, c'est un peu un plaidoyer pour la science. Bien, écoutez, merci à l'ensemble des intervenants. Je vais conclure sur vos propos, Monsieur Jacques, qui nous permettent à la fois de replacer aussi l'enjeu de la science au sein des questions de sûreté nucléaire et qu'elles ne sont pas effectivement un champ unique en elles-mêmes. Et que, évidemment, l'ensemble des champs disciplinaires contribuent ou peuvent contribuer à un niveau de qualité de sûreté nucléaire le plus fort possible. Merci encore une fois à l'ensemble des intervenants. Merci à l'ensemble des parlementaires qui se sont mobilisés ce matin. Et on le sait avec le calendrier qui n'est pas simple avec la réforme des retraites en ce moment. Qui ont quand même bien voulu participer à ces débats. Je sais que nous aurons l'occasion très prochainement de poursuivre ces débats lors des différentes commissions et en hémicycle à l'Assemblée nationale. Simplement vous dire que donc nous rendrons nos conclusions donc sur ce travail donc d'ici une dizaine de jours afin que nous puissions éclairer le Parlement dans son ensemble sur ces enjeux qui vont très rapidement revenir vers nous, comme je le disais, au sein des commissions et au sein de notre hémicycle. Merci à tous et je lève la séance.